Alors bonsoir. So welcome everybody to this November 2019 Council Public Meeting. Bienvenue à ce conseil municipal de novembre 2019. En débutant, simplement souligner la présence, je pense qu'il est à l'arrière, du lieutenant Rodrigue de notre PDQ. Voilà, il vient de se lever. Donc, représentant de notre... Mr. Agent Rodrigue from PDQ 24, our police station. Également, je crois avoir vu Charlotte Thierry du bureau de... Oui, voilà, de M. Arcan. Bienvenue. Il y a peut-être quelqu'un du bureau de M. Housefather. Ah, oui, bon. Alors, j'ai oublié le prénom, mais c'est Arsenault. Julien Arsenault, voilà. Bienvenue. So, welcome everybody to this meeting. I want to open with the obvious. I would like to address the question of the sports center. Peut-être mentionner, bon, ben, ceux qui ont eu une copie du communiqué savent que nous avons décidé d'aller de l'avant et de continuer le projet en allant au référendum. Peut-être débuter en disant, on en a beaucoup discuté, les élus, évidemment, ça a été une question difficile et émotive de décider qu'est-ce qu'on faisait. On doit peut-être faire un petit mea culpa de dire que ce qu'on entend de la population, c'est que la population sentait qu'elle était mal informée par rapport à ce projet-là, qui est un projet ultra important pour la communauté. Et ce qu'on a entendu la semaine dernière, lors du registre, c'est, il y a deux semaines, c'est que les gens sentaient qu'ils avaient besoin de plus d'informations. We felt personally, the council in the city, we felt that we... All the info was there, but obviously that's not what the resident thought. So we take note of that, and we've decided to go ahead with the referendum in February. And we intend to win this referendum with all the population to explain to them the benefit of this very big project for the community. On prend acte, donc, que les gens disent qu'ils étaient mal informés. On peut aussi déplorer que durant la campagne, dans les jours précédents, qu'il y avait beaucoup d'informations erronées qui s'est promenées. Puis encore là, elle était erronée. On aurait dû être mieux, pouvoir répondre plus rapidement et rectifier les faits. Il y a eu notamment un argument qui s'est promené qu'il n'y avait pas eu de consultation. Ça, il faut le dire, ce n'est pas vrai. En 2016, quand le projet a été lancé, il y a eu plus qu'une consultation. On a fait un processus de consultation à toute épreuve. Mais je m'excuse, vous aurez l'opportunité de venir au micro. Faut se le dire, on a fait un processus de consultation en 4 étapes. Il y avait eu une consultation avec 150 résidents ici en bas, lequel on a expliqué le projet qu'on souhaitait faire. Il y a eu des focus groups. Certains avec des usagers du centre, des équipes sportives, les aînés, tout ça. D'autres avec des résidents qui venaient de partout, ici à Ville-Mont-Royal, sur invitation. Il y a eu un sondage CROP, 500 maisons. 500 maisons sur le nombre de maisons à Mont-Royal, c'est énorme. C'est un sondage vraiment blindé. On avait toute l'info. Et il y a eu également, donc, la création d'un comité d'usagers qui nous a ensuite accompagnés pendant tout le suivi pour aller de l'avant avec ce projet-là. Alors, se faire dire qu'il n'y a pas eu de consultation, moi, je ne suis pas en accord. Je crois qu'on a fait cette consultation-là, elle était très, très bonne. Donc, là, on est là, 2019, on veut toujours aller de l'avant avec le projet. Alors, ce soir, on vous l'annonce, on va aller en référendum au mois de février. Et d'ici le mois de février, on a une responsabilité envers tous les résidents de bien expliquer le projet, d'expliquer son financement. Parce qu'il y a les gens qui parlaient qu'il y avait du financement, qu'on avait perdu le contrôle financier, c'est pas vrai. Notre objectif est toujours, exactement comme on a dit en 2016, on vise de faire un emprunt de 20 millions. C'est exactement ce qu'on avait dit en 2016. Et on va continuer à travailler avec ce projet-là. On n'a pas l'intention de le dépasser. Et les coûts qui ont augmenté, ils s'expliquent. On l'a toujours bien dit. On a ajouté des choses suite à toutes les consultations qu'on a faites. Les gens nous ont dit, on a réalisé tous ensemble qu'un seul bassin, ça ne fonctionnait pas. Il en fallait un deuxième. Une piscine à 6
à couloir, ça ne fonctionnait pas, il en fallait 8. On a agrandi. On s'est dit qu'en 2019, avec l'urgence climatique, une ville ne peut plus bâtir sans faire poser des gestes très, très respectueux envers l'environnement. On a décidé de faire des toits verts. On a décidé de passer en géothermie. Géothermie, ça augmente les coûts à court terme. À long terme, ça va faire baisser les coûts d'opération du centre. Donc, tout s'explique. On va le faire. On va mieux l'expliquer. Et puis, on se donne rendez-vous, donc, au mois de février pour un référendum. Et la population tranchera rendu là. Alors, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. J'ouvre donc la séance et je vais demander l'adoption de l'agenda, Mme Letty. Merci, M. le maire. I move to adopt the agenda of regular meeting of November 18, 2019. I second the motion. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci. C'est adopté et nous sommes à la première période de questions du public. J'aimerais vous rappeler les règles du jeu. La première période de questions du public, vos questions doivent porter sur un point à l'agenda. So the first question period needs to be related to one of the topics on the agenda. If not, you can wait at the second one at the end of the agenda. Merci. You have to open the mic. Ann Streeter, 1302 Kendallwood. Couple of questions. Why don't you just go back to the drawing board and give us something that we can afford? Something not so grand. Do we really need three? We need a pool. We need a rec. Do we need three pools? Do we need two gyms, an indoor track, and the rest? It's just so expensive. And the $28 million loan, I remember when you promised that we would not go ahead with this at all if we didn't get any federal or provincial funding. Well, we've got now $3 million. $28 million. That's the law tell us that we need to borrow 28. We don't need 28. We need 20. We're going to go ahead with 20, but the law gave us the obligation to put 28. On that 28, there's money that we're going to get back from TPS, TVQ, from tax credit from the government. We still want to go on a $20 million loan. And a $20 million well, for this adding, our city? $20 million? You're adding it to a $28 million long-term debt. We were talking $50 million. There's some discussion that we're in for a recession. I don't see any long-term thinking here. It upsets me because it's not, and all of a sudden it goes from $33 million to $48 million, and we know projects don't come in on budget. And I just, anyway, one final question. Does all council agree, or did somebody think maybe we shouldn't go ahead with this, or at least look for something we could afford? Well, all council agree. Oh, but well, let that's me, let something... Let me just say something. We have 3 months in front of us. So let's have this debate. We'll have all the number. You want to talk about the debt, we will talk about the debt. And we'll show you all the numbers, and we'll show you why we went from one pool to two. We're building this for the next 50 years, for the next 5 years. I understand, but we're a small population, 22,000. Do we really need such a grand scheme? Not only that, you're taking up green space, you know, a soccer field. We're going to have the kids playing inside instead of outside. And I understand anyway, that you're against it. Something to think about. No, I'm not against a rec. Well, I'm against, do we need a green roof? Do we need all these add-ons? Well, I think in 2019, a city like TMR needs to put forward some action on green, climate change. I would prefer not to have people slid over the backyards in terms of green and have driveways that accommodate 10 cars. Well, that's something to think about. Yeah. Okay. Yep. Hi, London, 626 Powell. You're talking about letting us know what's going on, and I keep asking that information be transmitted in both languages to us. You just gave a speech of which a little bit was in English and all the rest was in French. And my French is not very good, and I did not understand a lot of it. So if this is the method of communication that you're going to be using, your communication is worthless. Okay, well, it's well noted. It's a bilingual community, and all the info that the town will produce will be bilingual. Including when you give information here, it should be bilingual. I'm always trying to do both.
Okay. Also, I think one of the things that has got a lot of people upset is initially the talk was about $28-30 million, and suddenly it's up to $48 million. Is it going to be $60 or $100 million in the end when you're finished? No, it won't. Okay. And the other point being is there is no real discussion with people here in the town who are interested in it to see what a model of what you're looking to do and to ask for our input as to what you think, we think about what your ideas are. I disagree. We did that in 2016 with all the consultation. You hear that? Yeah, well, it's always the same people, though. No, it isn't always the same people, because you had over 900 signatures of people. You're right. You're right. But it's not always the same people. We had a very good consultation in 2016. Well, I tend to disagree with you, and and I attend these meetings very often. Okay. Well. Bonsoir, Brigitte Mac, 900 Marlborough. Le communiqué de presse qui était sur la table, je vois que c'est en date d'aujourd'hui. Quand est-ce qu'il a été diffusé aujourd'hui? Il est diffusé ce soir au moment où le conseil l'annonce. On aurait pu attendre au point 12 quand on l'annonçait. On le met sur la table, mais on vous annonce que dans à peu près une demi-heure, 45 minutes, on va annoncer qu'on fait un référendum. OK, donc ma question, c'était, ça n'a pas été diffusé aux médias. C'est vraiment là maintenant, puis la prochaine étape. C'est comme ça que ça fonctionne. OK, merci. Concernant le sondage que vous avez fait, c'est vrai que 500 personnes, c'est quand même une bonne proportion de la population. Corrigez-moi, mais il me semble que 53 % des gens qui ont été sondés ont dit qu'ils voudraient avoir un centre sportif, mais pas si leur taxe était augmentée. Est-ce que je me trompe? Il y avait une différence dépendant des montants qui étaient approchés. Effectivement, vous ne vous trompez pas. Donc, 53 % plus de la moitié des gens qui ont été sondés ont dit oui à un centre sportif, mais non à une augmentation de taxes. Bien, je n'ai pas le chiffre devant moi, mais... C'est oui ou c'est non? Bien, c'était 47 puis 53. J'imagine comme maire, vous devez vous rappeler de ces chiffres-là. Non, je ne me rappelle pas tous les résultats de sondage, mais je te fais confiance. Alors oui, ça doit être ça. OK. Puis est-ce que ça vous allume? Bien, là, on a 3 mois pour bien expliquer le projet, bien expliquer les conséquences financières du projet. Puis on est confiant que les résidents vont voir que c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer ici à Mont-Royal, ce projet-là. Oui, bien, c'était pas ça la question. En fait, je pense que les gens étaient surpris de ne pas avoir été sondés. On sait qu'à Mont-Royal, c'est difficile de mobiliser les gens. Les résidents ont parlé. C'est malheureux qu'en tant qu'élu officiel, la tête de la ville, vous disiez que c'est encore un petit groupe. Non, 938, c'est pas ça que j'ai dit. C'est toujours les mêmes. Ceux qui murmurent tout le temps dans la salle, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas parlé pas ça des que 900. Compris. Je pensais que vous reprochiez que c'était toujours un petit groupe. Mais je demandais une précision. Okay. Merci. Merci. Bonsoir. Peter Malouf, 111 Friendly Crescent. I don't remember the order of. Do you have to say how long you live here in TMR? No. Okay. Go on. Too long. Thank you very much for your opening statement of mea culpa. I think that's very, very big. I'm not kidding. I don't say that in a light way. I think it's important that now you and town council have all recognized, you know, the voice of the people that have spoken very openly and very fairly under the rules and regulations required to hold a referendum. And I think it's important that town council also recognize that aside from the 938 people, there are 2 points I'd like to bring to order today. One is about the sports center, and one is one thing that we cannot ignore, which is also traffic mitigation, the REM, et cetera, that came off of our last meeting with town council. For your second point, you're going to have to wait till the end? That's fine. Okay. I will do that. Not a problem. With regards to the sports center, the fact that you would like to hold a referendum in 3 months' time. First of all, let me pronounce myself very clearly. A little bit of my background. I ran a sports center for 16 years. I have a history of what's involved in a sports center, what it is to build it, what it is to operate it, how much money it takes to spend, et cetera. So I have a deep knowledge of what it is, the impact it has on small commerces and businesses in the area, et cetera. I'm not going to give you the whole speech. I'm sure you all know it. But I think it's very important that you're able to communicate to
our community and our residents what exactly we're committing ourselves to. We are the residents that ultimately have committed to buying homes and committing to our community, et cetera, and funding what has to be funded here. So we have to look at the whole picture very clearly, very transparently. My concern about a referendum, so I'm very much in favor, let me be clear, of a sports center. But I'm not in favor of a blank check. That's my only point. I don't think anybody would. If I told you, give me your checkbook and I'll go have a ball, well, you know, what the heck. That's not what I want to see. But what I think might be advisable, and maybe you want to take back to rethink in council, is holding this referendum now. And I'll tell you why. We're going into the month of December. We're going to lose a month there. You want to hold a referendum in February in the middle of winter. You want to make sure you're able to get the opinions and the concerns of all of the residents of TMR, how this sports center may impact them one way or the other, by the facilities, by the construction, by the traffic mitigation, by the cost, et cetera. So my ask of town council is to not say I am not in favor of a sports center. I am in favor of a sports center, but I would like to see a more open consultative process than was done in the past. I was not aware of it. I'm a very active sports guy. I didn't know about it. I got my whole family are in sports. I know a whole bunch of kids that are in sports. We didn't know about what was going on. Now, that is a communication problem, okay? And it didn't work. My recommendation is maybe to take a play out of the playbook of Westmount, where they prepared a brochure and information, sent out a fully detailed and ventilated explanation of what's going on, and had multiple sessions over several months to be able to explain it to the population. To do a project properly and with the full support of a community will make everybody celebrate the opening of a sports center as opposed to dividing a community over the same thing. So my suggestion is really, and my ask of you, is will you consider at least the possibility? I know you have a timeline to hold a referendum, but maybe consider the possibility that maybe it's more advisable in the interest of all residents of Town of Mount Royal to say, you know what, let's take a step back. We already have seen articles, I don't want to talk about the REM, but there's been articles in the paper this weekend about how the REM has screwed up royally and has pissed off all kinds of people in all kinds of communities. We've seen it all, and they've rushed to a purpose that has, that they realize the logistics of it, the execution of it are clearly flawed. And I've raised those issues just for our community here. Coming to the sports center, we don't want to do that. So maybe I understand construction costs can go up. I can understand putting green roofs are expensive. I understand the cost of geothermal heating. You know, the payback is 25 to 30 years, depends on how it works. I understand all that stuff. But the point is, I really think an open and clear consultative process, longer term with the residents, will really go over much bigger. And it will make you look like you're on our side instead of being in an oppositional position. That's the most important point I want to make. Thank you. Merci. But as to change the date of the referendum, we're not allowed to. No, Quebec City who decide. No, but that's what I'm saying. Yeah. To rescind the decision and go to a consultative process. That's what I'm saying. Well, okay. I hear that's you. That's what I suggest. I want to be clear, though. Yeah. You were. Okay. Yes? Brian Morton, 145 Graham. I sent you a question in advance. Basically, what is, for the rec center at $47 million, what is the estimated tax increase per 100,000 valuation per year for how many years? Well, it depends how much money you borrow. We want to borrow $20 million. Okay, at the $20 million figure. So $20 million, it's ballpark figure, but it's about, for the average house. No, I said 100,000 evaluation. So anybody I don't can make know. The... I have the numbers for average house, but okay. I don't have... For an average house, it's about $200. Okay, because... 20 million. There's a sliding scale. Pardon me? I hear you. The original question I'd sent you was per 100,000. Okay, I could ask people here to break it for $100, but I don't have that number with me. Yeah, no, that's why I sent it to you and John. Okay, well,
I didn't have it. Yeah. Okay. Sports Center. Yes. We've been hearing all sorts of noise about parking, both for the temporary facility, i.e. the church, and for the permanent rec center. Yes. We're hearing that there is zero and zero. So what is happening with the parking? Well, I don't know where this story come from. We have our own study. We know exactly how many space we need for the sports center. We know that for now we miss about 50 space. We have a plan, but we're going to wait. Obviously, we're going to wait till we know if we're going ahead with yes. the sports center. But we'll have enough space for everybody when it's going to open in 2 or 3 years from now. Ditto, though, for the temporary facility, because there are some people that are in that facility for 8 hours at a time, and I'm hearing that the parking is... Well, I'm sure we'll manage if we have to change the time where we can park, going from 2 to 4 or 4 to 8, we will. Okay, because I've been hearing from many directions that same question. That's why I'm pushing it now. No, we look into it, and we don't feel there's going to be a problem. At the church? Well, everywhere. Okay, because... You mean the people going to go at the church for, instance, for yes. rec, for the rec activities? Yes. Well, we still think that if there was enough parking before, there's going to be enough parking after. Okay. It's the building in front of the rec. What about the residents who are going to move at the moment? So, okay. Thank you. Thank you. Bonsoir, Michel Faure, 1400 Merritt Crescent. Je vais faire de mon mieux pour remettre les pendules à l'heure. Ce que vous dites, monsieur le maire, dans votre présentation, n'est pas factuel. La consultation qui a eu lieu en 2016, c'était un projet qui n'avait rien à voir avec le projet d'aujourd'hui. Il s'agissait de 33 millions de dollars. J'avais déjà dit à l'époque, d'ailleurs, que ça irait plus loin. Vous aviez nié ça. Et aujourd'hui, on se trouve devant un projet de 48 millions sans que vous ayez eu la décence de faire la moindre consultation. Il n'y a eu aucune consultation depuis 2016. On est en 2019. Vous arrivez avec un projet de 48 millions. Vous empruntez 28 millions et on ne sait rien. Alors, il ne faut pas dire qu'il y a eu une consultation. Il n'y a pas eu de consultation. Premier point. Deuxième point, on n'est pas... Est-ce que je peux déjà préciser les chiffres, par exemple, parce que ce n'est pas des bons chiffres que vous utilisez? Comment ça, ce n'est pas des bons chiffres? Ben, 3 millions, ce n'est pas des bons chiffres? C'est 44 millions, le coût du projet. Ah, le coût du projet... Je sais qu'il a circulé 48, mais... C'est 48, il y a une ristourne, mais c'est 48 pour l'instant. Je ne suis pas fou, c'est 48. C'est 44 après la ristourne. Même si on vous rend de l'argent après, c'est 48. Ben, je ne suis pas d'accord. Ceci dit, si cet argent-là ne compte pas... Okay. Je ne veux pas entrer dans un débat. Je veux avoir autant de temps que le monsieur qui a parlé avec nous. Ce soir, on n'est pas là pour discuter de l'avenir du sport, du centre sportif, de quelle forme il devrait avoir, des stationnements. On n'est pas là pour ça. Ce soir, on est là pour parler de l'emprunt. C'est à propos de l'emprunt qu'il y a eu ce registre et rien d'autre. La question du référendum devrait poser essentiellement sur l'emprunt. Il n'est pas question de dire est-ce que vous aimeriez avoir un beau centre sportif. Non, non. On est là pour parler... Des 28 millions. C'est derrière ce que la loi prévoit. Parfait. Je pense que la loi prévoit aussi autre chose. Et si je fais erreur, ben vous me corrigerez. J'ai entendu dire, et c'est sous réserve, qu'il ne devait pas y avoir de consultation entre un registre et le référendum. Que la consultation, c'est avant, mais qu'ensuite, on passe du registre au référendum. Alors, ça sera un point légal à vérifier, mais je vous le soumets. Je sais que il a été question des grandes familles qui devaient aider Mme Setlakoué dans sa levée de fonds. Aider la communauté. La communauté, oui, d'accord. Mmh. Alors, moi, j'ai toujours été pour le centre sportif si on avait les moyens. Je n'ai jamais été contre. Non, si on avait les moyens, je l'ai toujours dit. Ce soir, je suis prêt à donner 20 dollars. Ce n'est pas une grande famille, voyez-vous. Mais je veux bien donner 20 dollars à Mme Setlakoué pour commencer sa levée de fonds. Tenez. Pour prouver ma bonne foi, voilà, voyez-vous. Ça montre ma bonne foi, je donne 20 dollars. S'il y en a d'autres qui veulent faire pareil, qui n'hésitent pas. Maintenant, j'en viens à autre chose. Quel est le geste que vous posez exactement? Pardon? C'est un geste généreux, je vous donne 20 dollars pour le centre sport, pour la levée de fonds.
Alors, maintenant, c'est pas illégal. C'est illégal. C'est pas illégal là, d'arriver puis de laisser tomber 20 $ comme si ça. Si c'est pas légal, c'est un spectacle. Si c'est pas légal, vous donnerez à la Croix-Rouge. C'est fini. À la Croix-Rouge. Non, mais si c'est pas légal. J'ai pas dit c'est pas légal. J'ai dit c'était pas élégant d'arriver puis de lancer comme ça 20 $. Mais je lance pas. J'ai donné. C'est n'importe quoi. Là. Sachez que la campagne de financement, oui. C'est une véritable campagne de financement qui va aller de l'avant, qui a déjà débuté. Oui, ben alors voilà. C'est un processus à long terme. Voilà. Je participe, c'est tout. Très bien. C'est noté voilà. Votre participation. Merci beaucoup. Pour votre participation. Merci, voilà. Alors maintenant, il y a autre chose. J'ai une question. Je vous ai dit auparavant qu'on avait été tenu au courant de rien. Je lis ici un article de M. Feldman, signé par M. Feldman, qui a l'air d'un communiqué de presse. C'est un article où il y a tellement de détails que je me demande s'il a servi de prête-nom, si vous lui avez donné un texte et qu'il l'a signé, ou est-ce que vous lui avez donné ce texte? Je ne lui ai pas donné le texte, mais il est juste derrière vous. Alors, posez-lui la question. Alors, M. Feldman, de l'accuser d'écrire des faux textes. Est-ce que vous avez servi de prête-nom en recevant un texte que vous avez signé et que vous n'avez pas écrit? C'est assez incroyable. Cette question ne mérite pas. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Bon, merci alors, beaucoup, M. Fort. Moi, je vais vous dire à ce moment-là, comment se fait-il que vous avez tant de détails là-dedans et que 20 000 personnes ne sachent rien? Vous allez m'expliquer ça. C'est pas moi seul. Vous allez m'expliquer ça. Mais laissez-le répondre. 20 000 personnes ne savent rien et vous avez tous les détails. On a accès privilégié. Bravo. Bonjour, M. le maire. M. Feldman, bonsoir. Okay. Alan Feldman, 2817 Graham Boulevard. I'm speaking for myself. Okay. Yes. Not for the MRMA. It's obvious to me that there are contribuables who are prepared to invest in large infrastructure projects. And there are other contribuables who aren't so disposed. So my question to you is, and to me in a way, I think a referendum is a good thing, even though it will cost money and delay the project. Because we have to know where the majority is. Yes. Are the majority prepared to invest in Town of Mount Royal, like Outremont, Hampstead, Westmount, Saint Laurent, who we couldn't even give an hour of ice time in our arena, even though they're closed for 2 years, when they were very nice to us when we renovated our arena. But that's another story. So I want to know, what is your strategy to energize those in favor of the sports center in order to convince the group of the contribuables who are really now very reticent, and I understand what they're saying and I heard their arguments, to invest this much money in a sports center. Do you have a fund set up? How is it going to be financed? How are you going to convince the people against the sports center change their minds? We will convince people by having all the info and reaching out to different groups in the community. I feel that everybody who you do sport or seniors who use the rec right now will be in favor of this project. Young parents with young kids should be in favor. So we will reach out. We will build a real coalition, not just elected people, but members of the community. And we'll go talk to the people. Door to door, I hope. Door to door. Okay. Okay, thank you. And by the way, articles written in the Town Post or the Journal are not written only by me. Believe me, if they were written by me, they'd be a lot stronger. Thank you. Thank you. Bonjour. Bonsoir. Mon nom est Pierre Avignon. Je me suis libéré de mes obligations familiales pour venir vous voir ce soir. Je pensais être vraiment fâché, en fait, en m'adressant à vous, monsieur le maire, ce soir. Et finalement, j'ai plutôt entendu des choses qui m'ont plutôt motivé. Moi, je suis tout à fait très intéressé au toit vert. Et aussi, j'étais très content aussi de voir que vous avez nommé à deux reprises le fait qu'en 2019, avec l'urgence climatique, une ville ne peut plus agir sans respecter les enjeux environnementaux. Et aussi, vous avez dit en 2019, une ville comme Mont-Royal doit agir pour les changements climatiques. Alors, je vous applaudis, je trouve ça extraordinaire et je ne m'attendais jamais à entendre ça. Et en plus, vous voulez prendre soin de votre population
en leur donnant accès à des activités physiques et sportives. Donc, c'est vraiment parfait. Surtout aujourd'hui, à l'heure des changements climatiques et de la pollution, on voit plein de reportages sur les problèmes respiratoires et des jeunes, notamment des jeunes enfants qui ont des problèmes respiratoires à cause de la chose. Alors moi, j'ai une solution à vous proposer et à proposer aux gens de Villemont-Royal qui nécessite de ne pas construire obligatoirement le centre sportif aussi gros et de ne pas augmenter les taxes. Alors je suppose que vous êtes tous intéressés à la connaître. Et ma solution, c'est évidemment, ou en tout cas pour moi, c'est de mettre des bâtons dans les roues à la construction de Royal Mount que ce conseil a autorisé, parce que la construction de Royal Mount va multiplier la congestion et donc la pollution et donc nuire à la santé et au bien-être de la population de Villemont-Royal. Alors j'invite le conseil municipal à travailler dans ce sens-là, de revenir en arrière sur Royal Mount, de limiter les dégâts sur la population et d'être cohérent avec les affirmations qui sont faites ce soir. Et j'invite aussi les gens de Villemont-Royal qui seront intéressés à organiser tout ce qu'il faut pour reculer ce projet à me rejoindre. Mon nom, c'est Pierre Avignon. Vous pouvez me trouver sur Facebook et je vais continuer à m'impliquer contre ce projet au nom de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, notamment de Montréal et moi, notamment de NDG. Je suis président du conseil d'école d'une des plus grosses écoles du Québec et je m'implique dans ma communauté. Et donc, je compte bien me représenter ici à de nombreuses reprises. Merci. Merci. Vous êtes toujours le bienvenu. Vous savez, le toit vert qu'on prévoit construire sur notre centre sportif, si on ne se trompe pas, et s'il n'y a rien d'autre... Merci. Si on construit le centre sportif et le toit vert tel qu'on le veut, on pense que ça va être le plus gros toit vert de toute la région de Montréal, mais pas pour longtemps. Parce que, savez-vous, qui d'autre va nous battre juste après? C'est le Royal Mount, qui est en train de mettre l'avant et un projet totalement carboneutre, incroyable. D'accord. Non, laissez-moi juste terminer. Ouais, allez, je ne veux pas vous convaincre. C'est difficile, hein, madame? Vous pouvez toujours venir au micro hein, pour parler, pas besoin de parler tout le temps. Je comprends qu'il y a des gens qui sont contre le Royal Mount, puis c'est très correct, c'est un débat de société, mais je vous invite peut-être, on peut y aller ensemble, à aller voir c'est quoi le projet qui est mis sur la table, parce que c'est pas du tout ce qu'on voit dans les médias. Présentement, notre parc industriel, c'est un des plus grands îlots de chaleur de l'île de Montréal. La vision qu'on est en train, nous les élus, c'est pas Carbonéo, ce que les élus ici sont en train de mettre de l'avant pour l'avenir de cette zone-là, c'est tout le contraire. Puis c'est très pro-environnement ce qui s'en vient. Donc, je comprends qu'avec ce qu'on voit dans les médias, c'est négatif, mais je vous invite juste, c'est une main que je vous tends, que vraiment vous montrer vers quoi on veut s'en aller dans cette zone-là. Je suis convaincu que vous allez apprécier. Ben, moi, je prends votre main. Si vous voulez m'inviter, je suis partant. Mais je voudrais juste dire que je lis très bien les médias. Je travaille moi-même dans ce milieu-là. Et ce qu'on raconte, c'est qu'on sait très bien qu'il y a des toits verts. Mais par contre, l'évaluation de 94 000 véhicules ou déplacements quotidiens avant qu'un toit vert puisse compenser les échappements. Écoutez, donnez-moi l'étude et ensuite, je veux bien vous croire. Mais pour être carboneutre, il faut compenser 90 000 déplacements par jour. Est-ce que des toits verts... Excusez-moi, monsieur, avec tout le respect que je vous dois de votre fonction, mais me répondre, de parler, j'ai un doctorat, me répondre qu'avec un toit vert, on va compenser autant d'émissions de CO2, c'est un petit peu vexant. Non, ce n'est pas juste des toits verts. Et moi, c'est ce que j'ai dans les études, ce n'est pas 92 000, c'est 40 000 véhicules, déplacements de véhicules de plus qui se rajoutent sur le réseau, mais qui... C'est tous des gens qui, autrement, qui habitent à Outremont ou qui habitent à Villemont-Royal ou à NDG, vont au 10-30, l'autre bord des ponts, ou vont au Carrefour Laval. C'est de créer un endroit pour ces gens-là, tout près, qui est en plus accessible en transport en commun, ce qui n'est pas le cas de tous les gros centres en banlieue. Alors, il y a plein de choses à prendre en considération. Moi, L'évaluation de la commission d'urbanisme à Montréal, les déplacements ne sont pas du tout proches. C'est des déplacements qui viennent de partout autour, qui viennent de loin. Et l'offre, justement, l'offre particulière, c'est d'attirer les gens de loin.
Écoute, je réalise qu'on n'était pas supposé parler du Royal Mount, parce que ça aurait dû être dans la deuxième période de questions, mais la main est tendue, si vous voulez qu'on en discute, ça me fera grand plaisir. Moi, je n'ai aucun problème à défendre le projet Royal Mount. C'est irrespectueux de la part de tous les gens qui vont être coincés dans le trafic. Je ne sais pas si vous avez des enfants, dans les déplacements de hockey, dans les déplacements de fêtes d'anniversaire. Mais ça remplace quoi, le Royal Mount? Ça remplace des usines où il y a l'usine de Kraft qui est là, le présentement. Il y a 20 000 personnes qui arrivent le matin, chaque jour, à l'heure du trafic, puis qui repartent le soir. C'est ça qu'on remplace. Si vous faites une forêt... Okay, on pourrait avoir un débat. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Cecilia McDonald, 1725 Kenora. And I think that last gentleman, although I have to admit I didn't follow it all, is an insight to some of the stress we're seeing in the town, that there are so many huge simultaneous projects happening that it is quite difficult, and they have population and financial and time and blah, blah, blah. They are all coalescing, and it is very difficult. And so I would like to suggest that words matter and numbers matter. So, for example, I want to say this without being confrontational, but I'm just going to say this. I really wish you wouldn't go out into the media saying, oh, I'm so disappointed in my residents. They voted against me. Instead of saying, oh, my God, nobody used to come to council. Look at this. We have all these people. That's awesome. Now once they get informed, they're advocates, they're more engaged. This is the start of something new, but that's not what you say. You say it's a political mission. And it's a disservice. It is a disservice. Okay, I am not, excuse me. No. It go is ahead. A disservice. I have you don't no, have to. I actually do, because I kept stepping back and then another release would come out. And it would say things that truly were not signs that we were all working for the same thing. So that's my first thing. Second thing is, I'm speaking for myself, and I am completely excited about a new sports center, and I want to start with that. But I get very concerned when you start with statements that say 80% of the people were in support, whereas the qualifying statement should be, of the 2.5% of residents in the town, of whom we don't know were they taxpayers or not, because only 2/3 are homeowners and they pay taxes. Of those, 88% were excited when there was no fiscal ramifications. Those numbers dropped as soon as we introduced it. So low, because I have enjoyed the crop. By the way, the crop survey is not available in English to the gentleman's concern. When you posited the question of at $400, which is only $33 a month, 50% of those people said no. So that is worthy of further discussion. And I don't really think there's an answer. I'm just pointing out that we could be more concise, which is why I keep saying my background is in communication, to the degree that I could help. And there are lots of ways to do this affordably. That would be another thing. I also take umbrage with the constant statement of $20 million, not to mention 28 is a 100% increase over our current long-term debt, but $20 million against the wealth of our small community. Whereas in fact, if you look at Centris, 40% of our residents, they make less than $80,000. So we forget that. Many of us are very fortunate to have benefited from the increase of value. I personally am excited. My home is almost worth $1 million. And yet, that does nothing for me in taxes until I sell it. Until then, it is simply an escalated debt burden to me. So while we celebrate that the advancement of the town, these numbers that we're using to advance the cause of these very important projects, they're simply not wholly accurate. And if we want honest communication, transparency, and collegiality and consensus and all these things that we're asking, we would ask that a little bit more scrutiny and accessibility would come to that. Thank you. You're welcome. More later. Joan Fraser, 1400 Merritt Crescent. I have two questions and one comment. The first question, Mayor, has to do with your opening remarks. I got completely confused. It seemed to me that you were saying that the law says you have to borrow $28.5 million, but you only want to borrow $20 million,
But the resolution says 28.5 million, which will be borne by the residents of TMR. No. So that's what I read right. in yeah. the resolution. So it would be very helpful if you could be a little more explicit about exactly what we're talking about here, because I just didn't understand. Well, second question, I'll give it all to you at once, yeah. and then you can answer all at once. Second question is, I'm sure that in the files in this building, there are records of the average valuation of properties, homes, in TMR. You gave us what you figure would be the extra tax burden on the average household property. But most of us may not know what the average value of the average property in TMR is, but we mostly of us know what the assessment value of our own properties is. So if you could, while we're here, ask Madame Couch to find for us, please, the average valuation, that would give us a little something to hang our hats on in terms of understanding what we would be talking about. Those are two questions. The commentary. I am absolutely not opposed to the concept of a new sports center. Times go on and existing facilities, which were wonderful, may need updating, renovation, modernization, whole new centers. But I don't think that the way that the road we're setting out on here is going to offer a sufficiently wide range for TMR residents to express themselves on. The referendum, as I understand it, will be on the $28.5 million loan, which will be about, and only about, the sports center that you are proposing. So may I suggest that you withdraw that and go back to the drawing board and consult people once we have a better idea of costs of the various options that are available to us, so that then we can come up with a project that the whole town can really support. Thank you. Thank you. Just two things on that topic. Well, first of all, the answer is no. We won't go back to the drawing board. The project that we've put in front of the people, the project we want to build is the one who's going in the referendum. We cannot change it. So that's first. Deuxièmement, for the info on the financial package, of course, everything's going to be open. We will send info to all houses in TMR. Everybody's going to have access to the same information, and all the numbers will be there. Tonight? No, I won't go there tonight. It's it's too technical, but everything, we have 3 months in front of us. Everybody's going to have access to this information. Thank you. Bonsoir. And my second question? The average house? Average house. To ask her, but so it's somewhere around there, but unfortunately I don't have the exact number. Bonsoir. Mon nom est Marc Trudeau, j'habite au 33 Beverly. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis entièrement pour le centre sportif, plus ou moins comme il est présenté. J'espère que vous allez faire un bon travail pour présenter l'affaire pour que vous gagniez le référendum. Gagner veut dire qu'on aura le centre sportif. Quant à moi, je trouve que j'ai 71 ans. Je vais probablement en jouir plus ou moins. Je jouis déjà du centre créatif et de l'aréna à ma satisfaction. Donc, probablement pour moi et seulement pour moi, j'en aurais pas besoin. Mais je pense que ça va être extrêmement important pour les générations futures qui vont venir demeurer à Ville-Mont-Royal, qu'ils aient un centre sportif qui soit digne de la ville. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, je voudrais faire un lien avec Royal Mount. Et j'ai deux questions. En fait, ma deuxième question dépend de la première. Si vous avez l'intention de changer de zonage et d'avoir des résidents additionnels à Ville-Mont-Royal, combien il y aura de résidents, d'une part,
Et d'autre part, si tel est le cas, est-ce qu'il n'y aura pas lieu de faire payer par le promoteur de Royal Mount une partie ou même le tout du surplus de coûts du centre sportif? Parce que ces gens-là nouveaux vont en jouer alors qu'ils ne sont pas là déjà. Oui. Alors, peut-être que ce serait une bonne chose de faire payer ces gens-là plus que leur part dès le départ. Oui, les deux réponses sont les suivantes. Premièrement, la question du résidentiel en Royal Mount, c'est très prématuré. La demande a été faite. Le conseil a des consultants. On étudie, on a des études qui nous sont présentées ou qui sont en cours de réalisation. Donc, on n'a aucune idée où on s'en va avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le Royal Mount, le non-résidentiel, le Royal Mount phase 1, tel qu'il est en train de se faire bâtir, le jour où il va commencer à rentrer des taxes de ce centre-là, la dette de la ville va fondre comme la neige au printemps. Alors, effectivement, ça va être leur façon de contribuer aux finances de la ville. OK, mais il y aurait peut-être ma suggestion, ce serait qu'il y aurait un poste défini qui paierait une partie du centre sportif, surtout si vous changez de zonage. Et est-ce que vous êtes en mesure de dire que c'est en quelle mesure les gens qui ont fait la demande de zonage, de dézonage du Royal Mount, ouais. C'est combien de résidents additionnels à Baie-Mont-Royal? Il y a plein de chiffres qui circulent, mais je ne m'aventurerai pas là. C'est, en bout de ligne, ce n'est pas le promoteur qui va décider si c'est la ville. Oui, mais c'est pas ça. Alors, nous, on n'est pas là encore. On n'est pas du tout prêt. On n'a même pas envisagé encore, pris la décision si oui ou non il y allait avoir du résidentiel. Donc, on n'est pas encore prêt à avancer des chiffres. Et ça va venir. Merci. Hi. Pietro Gasparini, 349 Lethbridge. Good evening. It's the first time I come to one of these meetings. So I came because to make a comment, really. So when my wife and I read in the paper that the register had reached the number of signatures required, we were really upset. So we were a young family. We go to DDO, to St. Leonard, to use their swimming pool. So it's just really to say, I was happy to hear that the referendum is going to be done quickly. That's exciting because another delay already might daughter, it's 7 years we're here, they're 12 and 7. Soon, you know, we would use it less. So the benefit to us and to all the other young families or families with young children in TMR, every time we lose a few months, it's a few months of not having a great facility. So I'm just, you know, I'm excited about it. I was one of those people who participated in the discussion early on. And it's you know, I understand these things take long, and if we need, you know, we need to borrow money to get it done, we get it done. The green roof, the geothermal, this is standard. I work at a university. It's exciting that this is what is being done. It comes at a cost, but that's okay. I don't want to spend my time driving around the city, increasing my greenhouse gas emissions when I can come down the street to use the pool. Yeah. Thank you. We're excited too about the project. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Juste pour vous dire que moi, je suis en faveur du centre sportif parce que je fais beaucoup de sport, mais comme disaient beaucoup de gens, pas à n'importe quel prix. Il y a un sujet, M. le maire, qui vous a fait tort dans tout ce que vous avez fait. Ce sont les deux mots suivants. Sondage bidon. Il ne faut pas que dans le prochain référendum, dans le prochain... dans votre prochaine stratégie de communication, il faut que le mot « sondage bidon » ne paraisse pas. Si vous voulez, je ne peux pas faire ça ce soir, ça va être trop long, je vais m'asseoir avec n'importe qui de vous, je vais vous l'expliquer, une façon de faire un référendum, de faire un sondage, sans que le mot « sondage bidon » arrive. OK? C'est bon. Vous m'appelez, puis j'y vais. Ben écoutez, je vous le dis tout de suite, on va créer une coalition du camp du oui. On veut vous avoir dans notre équipe. Alors, vous êtes le bienvenu. OK. Merci. Bonjour, mon nom, c'est Jean-Max Seguin du 115 Week City. Ça a été dit au début, puis vous aviez déjà dit ça à l'époque, que vous souhaitiez que ce soit un projet rassembleur. Moi, je me souviens, quand il y a eu les consultations en 2016, vous aviez fait des focus group. Des focus group, moi, j'ai été souvent dans des focus group. Si c'est la compagnie Coca-Cola qui l'organise, c'est pas le président de Coca-Cola qui anime la réunion, c'est neutre. Les focus group que vous aviez eus, vous étiez présent avec les conseillers. C'était pas un focus group en tout, c'était un atelier d'intimidation. Ben, on n'animait pas, là. Vous étiez présent, vous ne deviez pas être là. Un focus group, les personnes intéressées ne doivent pas être là. Vous aviez... Non, mais arrêtez de sourire. Si on n'était pas là,
les gens nous diraient on n'est pas intéressé. Non, non, c'est pas vrai ça. Un focus group. Et parce qu'on y va, on non. On... Vous aviez appelé ça des focus group. Un focus group, les personnes intéressées de l'organisation ne sont pas présentes. Ils veulent tester la réaction naïve des gens par rapport au projet. Ils ne veulent pas l'influencer. Ils sont ouverts aux deux. Vous aviez fait ça. Vous aviez fait un travail avec des gens bien intéressés au projet, des gens qui font des activités. Vous aviez travaillé ça. Je me souviens de l'assemblée de 150 personnes. Moi, je suis un aîné. La réunion était faite de telle façon que ce n'était pas une présentation du projet que vous faisiez en avant. Vous aviez stimulé les gens, à part ceux qui étaient venus, entre autres, au focus group, à dire à quel point ils trouvaient le projet merveilleux. C'était des interventions des gens du comité d'école qui étaient très intimidants pour les gens qui, comme moi, voulaient poser des questions. Vous n'aviez pas fait un projet rassembleur, monsieur le maire. Vous aviez travaillé dans ce sens-là. Le sondage, c'était dans un cas où déjà l'information n'avait pas circulé largement. Donc, c'est à partir d'un point de vue naïf, qu'est-ce qu'on pense que les gens devaient répondre. Fait que ce que vous avez dit sur la merveilleuse consultation de l'époque, ce n'était pas vrai. Maintenant, je vais juste ajouter, par rapport au montant, ici, j'ai le texte que vous avez soumis, par rapport actuellement, là, 27 800 000. Et là, c'est bien ce qui est beau, regardez. Il y a 16 453 000 du surplus affecté. Le surplus affecté, c'est depuis 4-5 ans, il y a une partie de nos taxes qui auraient pu être allées ailleurs. Ils sont attribués à ça. Ça veut dire qu'actuellement, le projet, c'est 43 millions de nos taxes. 43 millions. Les 16 millions accumulés, c'est nos taxes. Ce n'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs. Donc, le raisonnement qu'on doit avoir, le sondage, le référendum, ça va être sur 28. Mais il faut savoir ici que les 16 millions accumulés, c'est des taxes qu'on aurait pu attribuer à autre chose. Ils ont été là-dedans. C'est important de savoir ça. Vous aviez dit à l'époque qu'il y avait 20 millions de subventions. C'est 3 millions qu'on a eu. Ça, c'est un problème. Moi, je suis comme tout le monde. Je trouve qu'un centre sportif, c'est important, comme une bibliothèque. Mais il faut que ça soit de façon raisonnable. Puis il ne faut pas que ça soit, vous avez dit tout à l'heure, le comité du oui. J'aurais aimé ça que le conseil, on sente qu'il y a une divergence de point de vue, qu'il y a des gens qui sont plutôt d'un bord, plutôt de l'autre, qu'on soit tous accueillis, alors que je sais fort bien que votre intervention, ça va être pour discréditer des gens qui sont critiques, qui vous souhaitent. Ça, c'est une chose très, très, très regrettable, monsieur le maire. Ouais. Il y a 938 personnes. Moi, je suis dans ceux qui trouvent que c'est important. On essaye de se conscientiser que vous n'êtes pas attentif souvent à l'ensemble de la population. J'aimerais ça qu'on sente que le conseil ici, qu'il y a des opinions différentes, de façon réelle, que vous sentiez des points de vue différents et non pas que vous soyez comme un dieu, que les gens autour, ils vont juste vous dire que vous avez raison. Okay. Fait que c'est ça. Donc, la consultation, à l'époque, elle n'a pas été faite kosher. Le 27 millions, c'est plus, c'est 43 millions de nos taxes dont il y a question. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Madame Letty. Merci, Monsieur le maire. I move to adopt the minutes of the council regular meeting of October 22nd and 2019 and of November 9, 2019 special meeting. I second the motion. Je demande le vote. Merci, adopté. Donc, nous sommes maintenant au point 5, qui est le dépôt de documents. Je vais demander à Maître Verdi d'en faire la liste. Oui, donc ce soir, nous déposons le certificat des résultats du registre pour le règlement E-1907, qui était l'emprunt pour le complexe sportif et communautaire. Deux, nous déposons les déclarations des intérêts pécuniers des membres du Conseil. Trois, la liste des commandes de moins de 10 000 $, la liste des commandes de moins de 25 000 $ et celle de moins de 50 000 $. Nous déposons la liste des achats émis sans émission de bons de commande. Nous déposons la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport de service des ressources humaines et un rapport sur les permis et certificats émis au courant du dernier mois. Merci beaucoup. So, topic number, item number six, the calendar of the meetings in 2020, Jonathan Lang. Merci beaucoup. So, Bill 319 of the Cities and Towns Act states that the town of Mount Royal must hold a regular council meeting at least once a month. Furthermore, the calendar of meetings for the upcoming year must be established prior to the end of the current year. Je propose alors d'établir le calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil de Ville-Mont-Royal comme suit. Lundi le 27 janvier
à 19 h. Toutes les réunions sont à 19 h. Donc, je vous donne juste les dates. Lundi le 24 février, lundi le 23 mars, lundi le 20 avril, lundi le 25 mai, lundi le 15 juin, Monday, July 13, Monday, August 24, Monday, September 21, Monday, October 19, Monday, November 16, and Monday, December 14, 2020, all at 7 p.m. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. So item number 7 now, appointment of members of the Demolition Committee. Joseph Dawa. Oui, je veux regrouper les items 7 et 8. Alors, item number 7, I move to renew the mandate of the Councillor Michel Setlakwe as a chairman and Councillors John Miller and Jonathan Lang as members of the Demolition Review Committee for the 12 months, the whole in accordance to the bylaw. And item number 8, I move to appoint, in accordance with the Pension Commission bylaw, Councillors Min Diem Liti, Michel Setlakwe and John Miller, and Town Clerk Alexander Verdi, appointed members of the Pension Commission for a two-year period, and to designate the Councillor John Miller, Chairman, and Councillors Min Diem Liti and Michel Setlakwe, Vice Chairman of the Pension Commission. Merci. C'est proposé par Joseph Daoura et c'est secondé par. For item number second, seven, I'll second that one. Okay. And I will second the second motion. Parfait. Je demande le vote sur les items 7 et 8. Merci. Adopté. Point 9 maintenant. So, item number 9, designation of the acting mayor, Mr. Jonathan Lang. La loi sur les cités et villes prévoit sur l'article 56 qu'une municipalité doit désigner parmi les conseillers pour la période qu'elle détermine un maire suppléant. Le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs de sa charge. Seeing that my four-month term that began in August ends in 2 weeks, I propose to designate Councillor John Miller as acting mayor for the town of Mount Royal for the months of December 2019 and January, February, and March 2020. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Point 10, assistance financière aux organismes communautaires en 2019. Madame Kennedy. Oui, alors la ville de Mont-Royal a une politique de reconnaissance, de soutien des organismes ici à la ville. So we are presenting a bylaw to authorize the town to deliver the 2019 grants to groups recognized under the recognition and support policy for community and recreation, so I therefore move to recognize these organizations complying with the recognition and support policy for the community and recreation organizations and having made an application in accordance with the policy. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci. L'item 11, évidemment, c'est la question du scrutin référendaire. Je vais laisser la parole à Mme Setlakwe. Oui, bien, écoutez, je vais me permettre quelques commentaires additionnel sur le projet de centre sportif. C'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet dans lequel je suis impliquée assez étroitement. Je crois en ce projet. J'en suis fière et vous pouvez être certain qu'on va faire une présentation adéquate à l'ensemble des résidents. Nous prenons acte du registre, comme le maire l'a dit. Mais sachez qu'on a été, on a été un peu bousculé dans notre séquence. Évidemment qu'on avait l'intention de faire une grande présentation, de présenter fièrement tous les aspects du projet, l'impact financier, l'impact, le financement, l'impact sur le compte de taxes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans la revue Info Ville-Mont-Royal. Il y a des copies qui sont disponibles ici. Il y a toutes sortes d'informations qui ont été communiquées par la Ville dans différents communiqués. Mais bien entendu, on avait l'intention de faire des séances d'information complètes. Le règlement d'emprunt, c'était une étape... C'était une étape préliminaire qui nous amenait. On mettait en place une marge de crédit, si on veut, comme on l'a déjà expliqué. On n'empruntait pas le premier jour 28 millions. D'ailleurs, le 28 inclut 3 millions de subventions du gouvernement qui va nous être remboursées à la fin, si on le dit adéquatement. Mais bon, c'était une étape pour pouvoir aller en appel d'offres et connaître le prix exact du complexe. On est bousculé dans notre séquence, ça va.
On vous entend, c'est légitime, vous voulez en savoir plus sur le projet, bien entendu, et nous, on va le faire avec fierté. Ce n'est pas un projet qui est over the top, ce n'est pas un projet qui est extravagant, c'est pas un nice to have, c'est un projet qui a été longuement réfléchi, mûri, les sondages ont eu lieu, les consultations ont eu lieu, on a été accompagnés. Je reviendrai pas sur 2016, mais depuis 2016, on a retenu des experts, des architectes, qui ont une expertise dans ce genre de projet-là, travaillent avec nous, et on a un comité consultatif qui travaille avec nous depuis qu'on a embauché les architectes, composé d'une dizaine de résidents. Ce sont des gens qui rejoignent les gens qui utilisent les installations, la natation, Cathy Lee qui représente chacune des personnes sur le comité, ce que je veux dire, rejoignent des douzaines et des douzaines de résidents. Que ce soit les utilisateurs de la piscine, Cathy Lee pour le MRMA, les aînés, Cathy, c'est quelqu'un qui travaille pour la communauté depuis des années, elle sait que le besoin est là. Maya Chamas, qui est une jeune femme dynamique de notre communauté, qui a une expertise en récréation, elle donne des cours au REC, elle rejoint plusieurs résidents. Madame Dawn Kennedy, qui rejoint les artistes, Yves Bocage, Claudie Vigneault, les jeunes parents, Marc Lefrançois, le CSMRO, Laurie Woodfine, les jeunes parents dont les tout-petits viennent au REC, au programme de Moms and Dads depuis des années. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a été, et on a été épaulés, on a consulté, on a échangé. Le projet qu'on va présenter, c'est le bon projet. C'est le projet dont la communauté a besoin. Ça répond aux attentes, ça répond… Oui, Mme Leguay, je suis fière de le dire. Ça répond à nos besoins, ça répond à nos attentes. J'ai hâte de le présenter. Vous allez tomber en amour et le référendum du mois de février sera un référendum gagnant. J'en ai aucun doute. Et personnellement, moi, je travaillais très fort à réduire l'endettement pour la ville. Et on continue, on va continuer, évidemment. Il va falloir remporter le référendum. J'en suis très confiante. On va travailler fort pour rassembler la population derrière ce projet-là et donc aussi aller chercher des dons. On n'abandonne pas notre idée de campagne de financement. Oui, merci pour votre 20 $ M. Faure. Oui, vraiment. Alors voilà, c'est un rendez-vous au mois de février. D'ici là, attendez-vous à recevoir toutes les informations. Donc voilà, d'un point de vue plutôt légal. Donc, I hereby move to receive the town clerk's certificate on the results of the register held on Wednesday, November 6, 2019, concerning bylaw number E-1907, to order the construction of a sports and community complex and a loan of $27.8 million for that purpose, to order the town clerk to hold a referendum poll on February 16, 2020, in order to submit the bylaw to approval by the qualified voters of the municipality, to determine that the tariff of remuneration of the referendum poll officers be the same as for the November 5, 2017 general election. And I'll second that motion. Merci, Jeanne Vandevatte. Merci beaucoup, à l'unanimité. Item number 12, confirmation of disbursement, Mr. Miller. Right. Je propose de confirmer, de prouver les débours visant la période 1er octobre au 31 octobre 2019. So we have mass céréales, 1,590,694. We have suppliers and other payments of $5,022,016. Financing costs of $135,536 for a total of $6,809,945. And currently in the bank, we have $34,105,511, earning 2.32%. I second the motion. Merci, Jeanne Vandevatte. Merci, adoptés. Item numéro 13, renouvellement de la collecte et transport de déchets. Madame Lottie. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'autoriser une dépense de $250,000, taxes incluses, pour la collecte et le transport de déchets, comprenant tous les frais accessoires, le cas d'échéance, et d'accorder à De Rich Cherbourg Canada Environnement Inc. le renouvellement du contrat C-2018-70 à cette fin,
pour la première période d'option, soit le 1er janvier au 31 décembre 2020, et pour le secteur numéro 1 et 2 avec collecte des encombrants 26 fois par l'année et le collecte supplémentaire des paniers de ville durant 26 semaines au prix de unité soumis pour une totale de 514 600 $ et 62 sous, taxes incluses, qui sera ajustée selon de l'IPC au 31 décembre 2019 et le tout conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et amputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020. Madame Letty, juste préciser le montant. Moi, j'ai entendu 250 000, mais c'est 520 000 dans le... Juste préciser le montant, s'il oui, vous plaît. Oui, je m'excuse. Au prix et unité soumis est pour un total de 514 600 $ et 62 sous, taxes incluses. Merci beaucoup. J'appuie la proposition. Merci, je demande le vote. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, le point 14, maintenant, le contrat de service pour l'entretien des bacs roulants, Mr. Lang. A public call to tender was launched on January 4, 2018 for a service contract to maintain and repair the 14,000 bins distributed over the years to town residents for a 10-month period in 2018 with renewable options for 2019 and 2020 at the town's discretion. The second year of this contract is coming to an end, and this proposal is to award a contract for the year 2020. Since these blue, green, and brown bins were distributed several years ago, it is understandable that breaks occur and that some will need to be replaced or repaired. Since the town does not have the equipment or the resources for this, an outside source must be contracted. Since March 1st, 2018, Gestion USD had been awarded this service contract, and we have been satisfied with their services. In addition to the 2% consumer price index increase, an additional $5,700 has been set aside due to the aging condition of these bins. Je propose alors d'autoriser une dépense de $50,000, taxes incluses en 2020 pour le contrat de service pour l'entretien des bacs roulants et dépenses supplémentaires le cas échéant, d'accorder à la compagnie Gestion USD le renouvellement du contrat de service C-2018-23 pour l'entretien des bacs roulants au prix total de $44,294.98 taxes incluses pour l'année 2020, le tout conformément aux documents de soumission et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2020. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Item number 15, supply and delivery of flowers. Joseph Dawa. Alors, dans cet item, c'est que chaque année, la ville fait l'acquisition des fleurs annuelles pour fleurir ses parcs, ses espaces verts et ses boulevards. Un appel d'offres est donc lancé à l'automne afin de permettre aux producteurs de partir les plantations pour la nouvelle saison, afin que les plants soient suffisamment gros et en santé lors de la livraison. La quantité totale de fleurs prévues au contrat pour l'année 2020 a diminué d'environ 7,4%. Les surfaces de plantation demeurent les mêmes, mais ce sont les variétés des fleurs retenues qui justifient cette diminution. Selon ce contrat, l'entrepreneur va fournir tous les matériaux, la main-d'œuvre, l'équipement et la supervision nécessaires afin de faire la culture en serre des fleurs annuelles requises pour le compte de la ville. Alors, il doit encore effectuer la plantation de fleurs annuelles et il doit encore effectuer la livraison de tous les plants et jardinières au 180 chemin Clyde et ce tel que spécifié dans les devis spéciaux de l'appel d'offres. À cette fin, un appel d'offres sur invitation a été lancé le 21 octobre 2019 par la ville. Quatre compagnies se sont présentées et ont déposé une soumission, et seulement quatre compagnies ont été invitées, mais deux compagnies ont déposé une soumission. Il s'agit de la compagnie Les Jardins Charlebois Inc. et les Serres Pinsonon Inc. Donc, selon la loi, la ville prend le plus bas soumissionnaire, qui est la compagnie Les Jardins Charlebois. Mais la différence entre la première et la seconde compagnie, c'était $1,800.
Il a fait une grande différence, mais quand même, la ville prend le plus bas soumissionnaire. Alors, dans cette optique-là, I move to authorize a maximum expense for the amount of $58,776 tax included for the supply and delivery of flowers annuals for the year 2020, and to award to the company Les Jardins WG Charlebois Inc. the contract to undertake this work with the unit prices for the total amount of $53,432.75 in accordance with the tendering documents prepared for this contract. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci, adopté. Point 16 maintenant, les services professionnels pour la restauration de nos deux postes de chloration. Mr. Miller. Thank you. We've done some restoration work on two pump stations at St. Clair and Rockland Roads. In the PTI, or the three-year program, it showed that $80,000 would be needed for the project, and it was assigned in there. But only $55,000 was approved for the job based on tenders. So during the contract, additional work was required, and we're authorizing $2,343.76 to cover this effort. So I propose to authorize an additional expense for the amount of $2,343.78 for project number 2019-310-10, restoration of the St. Clair and Rockland chlorination stations, which includes as needed all accessory costs, and to charge the appropriate accounts. Parfait, c'est secondé par? Moi, je seconde la résolution. Merci, je demande le vote. Adopté, point 17 maintenant, l'abattage et l'essouchement des arbres publics, Madame Sette-Lacour. Oui, donnez-moi un instant, je réalise que je n'avais pas ouvert le bon. J'ai des petites notes ici. Alors, les items 17 et 18, je vais le mémoire pendant que je... C'est des dépenses additionnelles qui visent à... C'est pour le mieux-être de notre forêt urbaine. On veut accélérer le processus de... Parce que vous le savez, on doit malheureusement abattre des arbres qui sont trop vieux, pour lesquels on a déjà tenté des manœuvres pour assurer leur survie. Mais là, ils sont rendus à la fin de leur vie utile. Ils posent danger, donc ils posent problème. Il faut les abattre. Mais l'idée, c'est d'accélérer le processus d'essouchage et aussi de plantation de nouveaux arbres pour remplacer les arbres qu'on doit malheureusement abattre. Donc, pour y aller avec l'item 17, chérie. Donc voilà, comme je vous disais, la forêt urbaine de la ville est composée d'arbres de plus en plus vieux, susceptibles aux maladies, aux insectes et potentiellement dangereux. Et afin d'assurer la sécurité des résidents, des travaux d'élagage et de haubanage sont effectués de façon régulière. Par contre, certains arbres ne peuvent être sécurisés et doivent être abattus et essouchés. C'est triste, mais nous devons composer avec cette réalité. En février 2019, le Conseil autorisait une dépense de $550,000 dans l'octroi du contrat à Arbo Design Inc. Ce contrat prévoit l'abattage d'environ 300 arbres et l'essouchage d'environ 350 arbres. Ainsi que la réparation des surfaces. Toutefois, afin d'améliorer le couvert végétal et mieux répondre aux attentes des citoyens, des mesures sont mises en place pour réduire le délai entre les différentes étapes reliées à l'entretien des arbres. Nous souhaitons redoubler les efforts afin que l'essouchage se fasse plus rapidement. Par conséquent, environ 70 arbres additionnels sont abattus et 115 souches supplémentaires retirées. Ces activités entraînent une dépense supplémentaire de $90,000, taxes incluses. So I therefore move to authorize an additional expense for the amount of $90,000, taxes included, for the removal of public trees and stump grinding for the year 2019 to the company Arbo Design Inc., which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract to the appropriate item of our 2019 operating budget. I second. Merci, je demande le vote. Adopté. Donc, le point suivant, maintenant, on a enlevé les arbres, on les a essouchés, donc on arrive à l'étape suivante. Oui.
plantation et entretien de nouveaux arbres. Donc, en mars dernier, le conseil a autorisé une dépense totalisant 237 000 $ taxes incluses pour l'octroi du contrat à Pépinière Jardin 2000 Inc. Cette dépense prévoit la fourniture, la plantation et l'entretien d'environ 350 arbres sur le territoire public de la ville. Toutefois, afin d'améliorer le couvert végétal et mieux répondre aux attentes des citoyens, des mesures sont mises en place afin de réduire le délai entre les différentes étapes, comme je mentionnais précédemment. Donc, par conséquent, approximativement 70 arbres additionnels sont plantés dans le cadre du contrat, entraînant une dépense supplémentaire totalisant 47 000 $ taxes incluses. So I therefore move to authorize an additional expense for the amount of $47,000 taxes included for the supply, planting, and maintenance of new trees to the company Pépinière Jardin 2000 Inc., which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses related to this contract under the appropriate item of our 2019 operating budget. I second. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté. Point 19, maintenant, les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Madame Kennedy. Okay, so we'll begin with the approvals. I move to approve from the meeting held on October the 25th, plan number 6-24-45 Duncan, for modification to the permit request, facade modification subject to acrylic details between the windows to be treated like a column, to the back several parts of the windows to be framed with acrylic to create a detail instead of patches. Plan number 844 Normandy for modification to an issued permit pertaining to a canopy. Plan number 9391 Brookfield for modifications to the facade and rear deck subject to column being maximum 8 inches. Plan numéro 10A 118 Lazard pour approbation des échantillons. Plan numéro 13-8500 des Guéris pour modification des ouvertures dans le mur, construction d'une nouvelle rampe et un quai de service. Plan numéro 15-1385 Dumfries pour remplacer la porte garage et porte d'entrée principale en blanc, sous réserve que les portes d'entrée et la porte garage, mais pas leurs encadrements, sont autorisés en noir. Le cadre de garage proposé doit être conservé dans un concept similaire. Plan numéro 1684 Beverly pour modification des fenêtres, ouverture pour la porte de patio et conversion de la véranda. La véranda arrière va être intégrée au bâtiment principal. Elle doit donc reposer sur une fondation continue de 10 pouces. Plan number 17B151 Wixied for modification to the upper finish on a rear addition from brick to fiber cement siding. The work has already been completed. Plan number 182245 Seneca for modifications to the main facade, changing the brick and stone finishes for a new stone and longboard panels, and new wood front door and garage door with new samples. Plan numéro 192155 Lucerne pour terrasse sans permis déjà construite. Plan numéro 201915 Dumfries pour demande d'approuver modification de parement au deuxième étage. Plan numéro 218500 des Carrés pour enseigne G. Torani et H. Haddad Fermicienne. And from the meeting held on November the 8th to approve the following plans. Number 2, 5780 Parry for signage, wall-mounted commercial sign. Plan number 3151 Wixied for front canopy. Committee wants to know if the length of the canopy can be reduced and would strongly recommend to shorten the width. Construction drawings are required before issuing the permit and confirmation of the reduction of length. Plan number 5154 Carlisle for one-story addition to the rear yard. Plan number 660 Balfour for replacing the panels to the front, rear, and side facades, modifying the painted window panel for new panels. For the side and back wall, both fiber cement. Panel fixing systems are approved. The CCU prefers the system without the metal joints. The gray color is approved as originally. For the front panel, camomat panels in the same modulation are approved. Plan numéro 733 Keniston pour non-respect de permis émis, marquise et colonne. C'est approuvé, mais sous réserve que les plans de construction avec les détails de coupe de la marquise sont nécessaires pour garantir que les corrections existantes et proposées peuvent être effectuées. Plan numéro 1272 Keniston pour modification des fenêtres sur l'entrée à l'avant, peindre fenêtre soffit fascia en noir, porte d'entrée rouge. C'est sous réserve que la fenêtre à l'avant doit conserver la même modulation. Suggère deux options, ouverture vers l'intérieur ou conserver fixe et ouvrir la fenêtre sur le côté. La porte d'entrée doit être noire pour uniformiser l'ouverture. Toutes les fenêtres sur la maison doivent être noires.
Les croisillons dans les fenêtres existantes doivent être peints en noir et les fascias, soffites et gouttières doivent être peints en noir aussi. Plan number 13-119 Dunray for modification to an issued permit, work done without approval, modifying the window color. Plan number 16-316 Beverly for facade modification and existing deck enlargement, subject to option B for the color. Plan number 17-280 Appen for a work permit, work done without a permit, deck and roofing, modification to two openings, approved subject to screwing in the piles from the rear deck, not permitted by the construction bylaw. Plan number 1984 Thornton for repairing the balcony on top of the garage and renovating the facade, changing the stucco's color to white. Et de refuser les plans suivants de la réunion tenue le 25 octobre. Plan numéro 17A151 Wixtead pour marquise avant, refusé pour les raisons suivantes. Les photos de la marquise telles que construites confirment les commentaires précédents tenus lors de la réunion de CCU le 30 novembre 2018. La marquise au-dessus de l'entrée est trop haut. Et voilà. I second the motion. Merci, je demande le vote. Merci beaucoup, Aaron. So now we're item number 20, adoption of bylaw number 1450 concerning rate of transfer. Mr. Miller. Right. When you transfer a property, there's a tax you pay. And the current bylaw, the way it's the title of the bylaw is when the value of the property exceeds $500,000. What the government does every year, they adjust that amount of money for inflation. So the bylaw was put in place about 3 or 4 years ago. And now, actually, rather than the $500,000, it's $517,100. So the bylaw reads $500,000, but the amount is actually $517,100. So what we're doing here is adjusting the amount in the bylaw. So whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw 1450-2, amending bylaw number 1450, concerning the rate of transfer duties applicable to transfers whose base of imposition exceeds $500,000, was preceded by a filing and a notice of motion given on October 22, 2019. Je propose d'opter le règlement 14-20-2, modifiant le règlement numéro 14-50 relatif au taux de droit de mutation applique au transfert dans la basse imposition excède $500,000. I second the motion. Merci. Je demande le vote. Adopté. Point 21, Mr. Miller. Right. So now in 21, we have a project that has been reduced in scope, which is resulting in some cost savings. And what we're doing in this motion is changing the amount of the bylaw from the original $181,600 to the amount of $43,500. So whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, bylaw number E0903-1, to amend bylaw E0903 to authorize an expenditure of a loan of $181,600 for the acquisition of technologies, including the purchase of computer hardware, monitoring camera systems, software, and software packages, in order to abandon two projects and to reduce the amount of the loan to $43,500, was preceded by a filing and notice of motion given on October 22, 2019. Je propose d'opter le règlement numéro E0903-1, modifiant le règlement E0903 autorisant une dépense d'un amount de 181 600 $ pour l'acquisition de technologies, y compris l'achat de matériaux informatiques, des systèmes de caméras de surveillance, de logiciels
et des projets Excel afin de retirer deux projets et de réduire le montant d'un prêt à 3 500 $. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. Comme c'est, ça concerne un registre règlement d'emprunt, comme ça concerne un règlement d'emprunt, plutôt, il va avoir un registre d'ouvert ici à la Ville le 27 novembre. Alors, nous sommes maintenant au point 22, qui est le dépôt et avis de motion du règlement 1384-38. Madame Kennedy. Oui. Alors, la Ville de Mont-Royal a un stationnement municipal public situé sur l'avenue Wicksteed, entre le chemin Cronora et Boulevard Graham. Au moment, on a de la signalisation qui indique qu'il y a une durée maximale de 24 heures sans frais pour les utilisateurs. Alors, c'est juste à modifier notre règlement pour refléter ça. Alors, I'm going to be presenting at a future sitting draft of bylaw number 1384-38 to amend traffic and parking bylaw number 1384 with respect to the public parking located on Wicksteed Avenue. And I give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Merci beaucoup. Le point 23, écoutez, c'est la saison des budgets. Donc, à la Ville de Montréal, on doit se rendre à plusieurs reprises pour l'étude des budgets de l'aglo et l'adoption, autant du budget que du PTI. Alors, je vais y aller plusieurs fois dans les prochaines semaines, mais j'ai un conseil d'aglo cette semaine, jeudi soir. Et pour ça, j'ai besoin d'une orientation du conseil. OK. Joseph. Bon. It's item number 24 in the agenda. Mm-hmm. Yeah. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the November 21st, 2019 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council stance in accordance with the law, I move to authorize the mayor or his representative to attend the November 21st, 2019 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Montreal. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes au point 25. So this is item number 25, Varia, and I'm going to start with Erin Kennedy. Okay, so many of you have heard that the Cornwall Bridge will not be demolished until April 2020, which is good news over the winter season. However, at the other end on Jean Talon, starting tonight between 10 and 5 tomorrow morning, Jean Talon is going to be closed in one direction. And you'll have two-way traffic on the other side of Jean Talon. De plus, et selon les conditions météo, il n'y aura qu'une voie en chaque direction sur Jean Talon après les travaux de préparatoire, soit le 20 novembre ou le 21 novembre. Cela va durer au moins un an pour reconstruire la moitié nord. S'ajoute à ce scénario le virage à droite en direction est sur Jean Talon, qui sera interdit pour aller sur Wilderton en direction sud. Okay? Le détour sera de continuer sur Jean Talon est, va via le viaduc Rockland, puis ensuite Bates, direction ouest, puis jusqu'à Wilderton pour virer sur Wilderton. Alors, il y aura de la construction sur la rue Jean Talon, pas loin de notre coin. Okay. Et voilà. That's a good news. Yes. Joseph? Relativement. Bon, alors, maintenant, la période de Noël approche. Durant ces fêtes, il y a un spectacle de Noël qui va avoir lieu le dimanche 1er décembre à 15h à l'hôtel de ville. Et il y a des billets en vente qui vont se faire au centre des loisirs, qui est au 60 avenue Roosevelt. Alors, dans ce spectacle-là du 1er décembre, les prix sont pour l'adulte 7 $ et pour l'enfant 5 $. Pour toute information concernant ce spectacle, alors, s'il vous plaît, d'appeler au 514-734-2928.
Et la deuxième annonce, c'est that will be on Monday, December 2nd. The tree in front of the town hall outside will be lighted like every year. It's around 5 o'clock in the afternoon. So please come to celebrate with the council, the mayor, and enjoy a cup of hot chocolate with your family to light this tree in front of the town. Thank you. Merci beaucoup, Michel. Oui, donc, bientôt, il faut s'occuper des inscriptions pour la session d'hiver. Winter registration for recreational activities, aquatic activities, is a separate registration on Tuesday, December 3rd, from 6 p.m. to midnight, online only, and regular activities beginning Monday, December 9th at 9 a.m. For any questions, contact the rec at 734-2928. Breakfast with Santa, yes, that's always nice. Saturday, December 14th at 9:30 here at Town Hall, Schofield Hall. Enjoy a hot and delicious breakfast with Santa. There's always a photo session included with little souvenirs to be offered to participants. Et finalement, il y avait des annonces au niveau de la bibliothèque. Section des enfants, écoutez, je n'ai pas toutes énuméré les activités dans le prochain mois, mais il y en a plusieurs en novembre et en décembre concernant dans le thème de Noël et autres, le temps des fêtes. Donc, référez-vous au site web ou appelez à la bibliothèque. Et pour ce qui est de la section adultes, en novembre, mardi le 19, demain, conférence sur les maladies cardiovasculaires et la nutrition avec Caroline Rouleau, nutritionniste diététiste. Mardi le 26 novembre, toujours en soirée, atelier stratégie d'épargne avec CPA Canada. En décembre, on a une conférence mardi le 3 en soirée, conférence Road Trip en Islande. Et jeudi le 12, spectacle Air de musique et folklore d'antan, chansons et musique avec Sébastien Deshaies. Voilà. Merci Michel. Jonathan? Yes, j'ai plusieurs annonces à vous proposer. Si donc, en ce qui concerne les dodanes, la ville procède présentement au retrait des dodanes et ralentisseurs temporaires et 10 dodanes permanents seront installés sous peu. S'il vous plaît, consultez le site web de la ville pour voir la carte où est-ce qu'ils vont être situés. Secondly, with the early arrival of snow and winter, the removal of leaves has been suspended for this current year. Finalement, le déneigement ici. Veuillez aviser vos entrepreneurs de déneigement qui ne peuvent mettre la neige dans la rue et s'assurer qu'elle reste sur le terrain du citoyen et qu'ils doivent remettre les bacs, récipients, sacs à ordures ou autres matières dans les entrées privées. And a couple of other comments. As a reminder, with the holiday season approaching, townies with a home security system can designate the public security as a responder for their alarm and assure a quick response when a system is triggered. Visit the town website under the Public Security tab and complete the registration form. Et en ce qui concerne Go Villemot, avec les commentaires reçus que les citoyens ne sont pas assez informés, je veux vous rappeler qu'on vous encourage de visiter le site web de la ville et voir sur la page d'accueil comment vous pouvez recevoir notre infolettre et de recevoir des messageries texte en vous abonnant à Go Villemot. Merci. Merci, Jonathan. Minziam. Merci, Monsieur le maire. Good evening. I have two items which I would like to present to you. The first one, as you may know, the Craft Fair 2019 will take place on the November 22nd. To 24 inclusively in Schofield Hall, free admission, and the Friday from 11 o'clock to 5 p.m. Saturday and Sunday from 10 to 5 p.m. Et le concert Noël cette année, c'est nouveau avec le Que Radio VM, le vendredi le 6 décembre à l'Église Unie, 1800 Boulevard Graham. Les portes ouvertes de 5h45 et le concert commencé à 17h.
le billet en vente au centre de loisirs. Merci. Merci, Mindim. John. Just a reminder, water tax account. You have until Wednesday, November 20th to pay the water bill. So just make sure that's done on time. Second of all, dîner de fête des années at jeudi le 5 décembre à midi dans Salle Schofield avec Trifecta Noël pour vous divertir. Quelques sont votre monde de célébration, les fêtes construit une tradition vénérée en Amérique du Nord. Notre lunch des fêtes traditionnelles est un must. Merci. Thank you, John. I think Madame Couch wanted to say something. Ce qui nous amène donc à la deuxième période de questions du public. On peut débuter, merci. Thank you. Peter Malouf again, 111 Fernley Crescent. Mr. Mayor, I have a question for you. There was a young gentleman here who is an environmentalist who came and spoke. And I respected your time when you said the time to speak about anything else other than the sports center, I could speak about it later, which I did respect. I noticed that you allowed him to run on, and I'm just curious to understand why, because I didn't even understand if he's a resident of TMR, because I didn't hear his address. So I'm curious to understand why that occurred. Well, I shouldn't have permitted. Okay. I get passionate when we talk about environment, so that's why. Well, I think that's wonderful. It's a hot button for a lot of students in university these days. I see that happening with many political parties tweaking it with university students. But I think it's very important. I want to come back to what I would call, and I thank you very much for all the information that you so clearly provided with your articles and bylaws that you like to pass. I'm going to take a step back, and I'm going to take a step forward. I want to take a step back and comment on some of the passion that Councillor Setlekwe has about the sports center. I understand that you really want to advocate for the sports center. You're very excited about it, and you want to sell the project. And I really do respect that. But I do also want to explain something to you that as a person who does a hell of a lot of private equity and review probably 160 prospectuses under the Quebec Stock Saving Plan, most of which were garbage. Number of presentations that I get from a lot of entrepreneurs who want to pitch their projects and pitch their ideas. There's a lot of blue sky that gets out there. And I just want to be clear that I would love to see a presentation. As much as you feel you advocated and you had the ear of a select few residents that gave you the support for this particular center, I don't think it represents the collectivity of all the residents of Town of Mont Royal. And sometimes when I was doing communications for my own sports center, I realized I failed very miserably in getting the message out. And I had to modify, adapt, and improvise, and make sure that I got my message out. Why? Because my dollars were on the line. My pocketbook was on the line. My profitability was on the line. My checkbook was on the line. The impact on my employees was on the line. And I want to be clear about this, very clear about this. I really do expect from you a full, transparent disclosure. Because I think it's important, and I think the message has been heard now by many residents. It was 2,000, we're over 2,000 people now between signed signatures of the petition about the REM, and almost 1,000 people, because I was at the door when they were refused, for the registry. And it's important that you recognize in the last election you had 4,200 and some odd votes, and of this now we have 3,000 people expressing themselves. Maybe some duplications, I'll admit that. But it is a way of the community coming together. So this is not about me standing. Please, I listened. You got to give me a form here. Yeah. This is not about me standing. I listened. We're looking for a question. I want to make a statement about this. That's what I said, and then I will come to the REM question. Yeah. I want to be just clear about the sports center. It took a lot of time here. We listened to a lot of things. Again, I will come back to you. Transparency and accountability
to the citizens of TMR are very important. I want to understand why you cannot defer a referendum or a decision in order to give enough time, because you're going to go through a Christmas season, you're going to lose 2 weeks in the month of December, you're going to lose 2 weeks in the beginning of January. It's going to be very difficult to get everybody involved and engaged. We're going to end up with traffic congestion because the REM impact will have a lot of congestion on this town. It's going to be a real problem. You know it. When that bridge is shut down on Jean Talon, and I don't understand their construction, I'll come back to that in a moment, it's going to frustrate people. People are not going to have the time of day to think about this type of thing. They're going to be thinking about their daily lives. Please explain to us why you will not reconsider. I'm not saying to make a decision now. I'm not going to put you on the spot like the last meeting. But I'd like to know why or if you would reconsider your decision tonight about holding a referendum in the middle of February, in the middle of winter, when many people, also residents, are away, including the seniors that you consulted for the sports center. Question number one. Okay, well, I personally feel that 3 months is a long period, enough long to go ahead and explain. If we can have a real election in 1 month, when we have election each 4 years, I think 3 months is way enough to explain one project to the citizens. So I think it's way enough. So I will stand here and respectfully disagree with that, because the timing, I think, is very bad. So as a business person looking at it, if I were pitching a project, I'd be asking for failure. So as a business person, yeah, absolutely. You understand that the more we wait, the more it's going to be expensive. The project that we're presenting is the good project, is the right project. Hang on a second. No. Cannot. Thank you so much for your advice. No, but you want to know something? Don't be disrespectful to me, because you know what? I don't take for that. Don't be rude to me. I was not rude to you. I'm talking about reality. So don't be like that. That's not nice. Be nice. Now, no, but I will come back. You stood there and you told me what your background is, and you said that I need to be transparent and clear in my communication. Yes. Okay, look up my background as well. Je suis une personne qui est claire dans mes communications et rigoureuse, et c'est ce que je vais faire dans les présentations qui vont mener au référendum. Perfect. Merci and I will make a perfect effort to be there to help challenge it. I never liked the board that I sat on that was just yes people. I like the board that challenge each other, because it's the only way you get transparency. And if you believe in that, you don't progress and you don't evolve, because then you end up with groupthink. It's not healthy. Anyways, we'll move on. Yeah. I know what you're going to do. If you've made that decision, I understand, but at least I brought my question forward. You did. Next point. So we came on, we have this whole issue about the REM. We had discussed at a previous meeting about staggering the bridge closures. We have a staggering of the bridge closure at Cornwall. We're trying to bring a community together. I think we've heard a lot. I've spoken to a number of members of the community. They've reached out to me. I believe there's an opportunity now for the town council to take leadership in advocating for its residents here, again, you know, with the REM. I'd like to hand to you, if you don't mind, an article that came out this November 13th. And in that article, I'd like to point out to you some of the highlights. It was an article written by City Matrix Article reviewing the REM project. And it was stressing the very points we've been making recently: lack of transparency, concerns for residents' needs, and poorly conceived design. And I quote, this is in the article, though public consultations revealed these and other flaws, concerns raised by the public, by professionals, and even some politicians were largely ignored. The REM also failed its environmental assessment, if you believe in environment. The provincial agency responsible for such evaluations, the BAP, stated boldly that the project wasn't ready for prime time and lambasted the CDPQ's lack of transparency. In turn, the BAP was accused of exceeding its mandate. The REM made a similarly poor impression with transit user groups, architects, and urban planners,
criticizing the project in whole and in part, ignoring the recommendations of experts, the public and government assessment agencies, for the sake of expediency, is never a wise idea. When it comes to designing and implementing the mass transit systems of the future, the needs, wants, and opinions of users must be paramount. In Montreal, it appears as though they were an afterthought and an inconvenience. So what I'm going to ask the mayor, I'm going to come back to our original discussion. Number one, we've had now the information that the bridge closures will be staggered. I would like to ask the mayor if you will continue and represent on behalf of the residents who signed the petitions, number one, to convene a committee of civil and traffic engineers to deal with traffic mitigation, number one, and to reconsider and have an independent study done for accelerated bridge construction of the bridges, number one. Well, the answer is no. Of course. Yeah. Number two, will you advocate on behalf of residents of Town of Mount Royal who have signed the petition and all other residents concerned to have a traffic mitigation study, an impact study, other than what was proposed by the Comité de Bon Voisinage REM engineer that was present at the last meeting? Well, I guess the answer is yes, because the town is working on its own plan de circulation. So I guess that can be seen as not a CDPQ study. So the answer is yes. Will you be sharing the study with the town residents? Have no problem with it. Very good, because I did ask the REM for a copy of their study, and they refused to release it. Okay, well. I also did ask the REM for a copy of their engineering study for the bridges, and they refused to release it. The plan is to have our own study and our own plan de circulation for the, at least January 1st, but hopefully before. Fine. Should we find ourselves, what measures has the town taken with regards to safety, security, first responders, police, et cetera, with the closures of the bridges, Jean Talon, et cetera, access to both sides of the town, and how will we be able to deal with it? Well, we said it. We had some preoccupation with security measure, and we asked the CDPQ Infra and Nouvelle Air to open the Lazare-Jasper passage. Right now, it's going to be open for fire. Just first responders and emergency vehicles. Yeah. So. Okay. And lastly, can you remove immediately the trailers, the construction trailers from the Kenora Bridge? And I have a suggestion where they can be placed. They can be placed at the Jasper intersection, not blocking the intersection, but on the inside of the Jasper intersection. Because I believe during the course of the winter, it will provide considerable relief for everyone. Well, I would love to say yes. We ask for it, but Nouvelle Air don't want to do it. Can you insist? Yes, and we're insisting each week. We've offered them different scenario, different place they could put the roulotte, and they always say no. So we can still try. I think it's stupid to have put those thing over there on the bridge. It seems that they do whatever they want to. Then my last question, can you take an initial a legal action against them to force them to move the roulottes? Well, for safety and security reasons. I would love reasons. To, but all the notice, all the advice, legal advice that I have are at the effect that we don't have any power over this. So if you have a legal advice that says otherwise, show it to us. I will be more than happy to do so. Thank you very much. Thank you. René Dufour, 129 Glengarry. Comme moi, vous avez dû lire l'article préparé par le maire sur son mandat à la mi-temps. Alors, dans ce document-là, il ne traite pas d'aucun des gros projets qui nous affligent présentement. Je présume qu'il impliquait ses conseillers qui, entre autres, auraient appuyé en 2015 la réalisation de son projet Roi-Carbonneo, qui va rendre infernale la circulation routière dans notre municipalité et détruire en quelque sorte
son caractère patrimonial, qui nous avait incité, je pense que vous un peu dans le même cas que moi et ma famille, qui avons déménagé ici en 1965 et acheté une résidence sur la rue Glengarry en 1965. J'ai eu le privilège de connaître des maires de la ville, dont le vrai maire Dawson, qui avait comme souci, la protection de son caractère patrimonial. Je voudrais parler surtout des travaux que le maire aurait dû rapporter dans son mandat à mi-temps. Commençons par l'immense projet REM dont vous venez d'entendre. J'ai eu le privilège de rencontrer le président du REM pendant une heure dans ses bureaux de la Caisse des dépôts. Les citoyens de Montréal ne sont pas contre le projet REM, évidemment, qui divise notre municipalité essentiellement au projet. Par contre, dès son annonce, lors d'une rencontre en septembre 2016, en compagnie de la directrice Couch, le maire aurait dû exiger, et je le répète, exiger l'enfouissement de la voie ferrée afin de protéger la santé des centaines de résidents le long des deux côtés de la voie ferrée. Et votre question est? Alors, je pense que vous auriez dû le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Récemment, le maire a annoncé les résultats de rencontres avec les autorités du REM qui ont accepté de couvrir la voie ferrée sur une courte distance, très courte distance, au centre-ville, moyennant une contribution, et écoutez bien, de 6,5 millions de mes taxes et de vos taxes. Le maire aurait dû exiger l'enfouissement complet de la voie dès sa première rencontre en 2016. Alors là, il nous fait coûter 6,5 millions parce qu'il n'a pas fait son travail comme maire. Monsieur Dufour, votre question, s'il vous plaît. Oui, ça va venir. Vous avez attendu toutes les deux. Commencez pas. N'a pas la confiance des citoyens. Le premier concerne le projet de la ville, la première concernant la vente du jardin communautaire de Mont-Royal au groupe Maurice, détenu par une société américaine, qui déciderait construire des résidences pour personnes âgées. Plus de 75 citoyens se sont déplacés la fin de semaine pour refuser le changement requis de zonage. Le maire était confiant que le registre ne recueillerait pas les signatures requises pour un projet le long du boulevard métropolitain. Et il a utilisé des termes inappropriés, même je n'ose pas dire les noms, pour qualifier les 75 citoyens qui se sont déplacés pour signer le registre. Merci Dufour, votre question, s'il vous plaît. Oui, ça va venir, encore un point. Parfait. Récemment, un registre ouvert à tous les résidents de Mont-Royal demandant la signature de 931 citoyens approuvant la demande de référendum. Et la maire et son conseil étaient d'avis. Moi-même, j'aurais été prêt à gager qu'il était impossible que les citoyens à qui on accordait seulement une journée pour se prononcer. Or, 938 citoyens se sont rendus à la mairie, supporter la demande d'un référendum. Le conseiller Meller, ça m'a rendu presque malade, contrairement à la loi, s'est présenté au bureau de votation pour influencer les citoyens à refuser le registre. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire d'accusation. Le maire Roy appuie fortement son projet Roy Carbonneau, il l'appelle Roy Carbonneau, un immense projet immobilier dans la partie industrielle de la municipalité. Il a fait exproprier d'ailleurs deux industries qui versaient des taxes à la ville pour favoriser l'implantation de son projet. Vous nous aviez promis une question. Le projet de Roy Carbonneau. Alors, l'ajout de plusieurs milliers de résidents sur le 10 sites de Carbonneau va rendre encore, je le répète, infernale la circulation routière et détruire le caractère patrimonial de notre municipalité. Et réellement, dans votre article, vous dites rien. Tout ce que vous dites absolument rien sur tous ces gros projets qui nous affectent à Ville-Mont-Royal. Parfait. Et votre question est? Alors, c'est je vous ai dit, là. Vous ne faites pas votre travail et d'après moi, avec le peu de jugement que vous montrez, vous devriez démissionner et laisser la place à quelqu'un qui aurait des idées nouvelles
à nous offrir. Parfait. Merci beaucoup. C'était intéressant. Bonjour, mon nom est Marc Trudeau, 33 Beverly. J'ai une question qui n'est pas du tout de l'ordre du REM ou de Royal Mount et tout. J'ai lu dans les journaux il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, en fait, je ne sais pas exactement quand j'ai lu ça, mais que la ville de Montréal ou l'eau potable en ville était contaminée au plomb dans plusieurs parties. Je pense vous avoir entendu dire il y a 2 mois qu'à Ville-Mont-Royal, on n'avait pas ce problème-là. Par ailleurs, et c'est là qui m'amène ma question, c'est que plusieurs d'entre nous demeurons dans des maisons qui ont été construites bien avant 1940. Je ne sais pas quel pourcentage, mais dans mon cas personnel, je demeure dans une maison qui a été construite en 1924, puis je pense que mes voisins, pareillement. Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a un moyen fourni par la ville, ou même je serais prêt à payer, mais je ne sais pas où, je ne sais pas à qui m'adresser, pour faire analyser l'eau dans nos maisons, et non pas l'eau qui rentre dans la maison, mais à la sortie de la maison, parce qu'on ne sait pas comment on est. On sait que ma tuyauterie est en cuivre, là, ça, je peux vous assurer ça, mais je ne sais pas s'il y a du plomb là-dedans ou non. Oui. Alors, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Je vais laisser Mme Cadre vous répondre, mais juste vous dire que du côté de la ville, en 2005-2006, on a finalisé le retrait de tous les tuyaux au plomb du côté Mont-Royal. Donc, du côté public, on a la certitude qu'il n'y a pas de tuyaux au plomb. Mais, effectivement, les maisons datant avant les années 50, chez vous, au niveau privé, il peut y avoir encore des tuyaux de plomb. Et là, c'est à votre responsabilité de le trouver. Si on démontre qu'il y a du plomb, bien sûr, je vais prendre ma responsabilité. Parfait. Mais j'aimerais ça être capable de voir si oui ou non j'en ai. Selon nos chiffres et nos études, il n'y a plus d'entrée en plomb à Ville-Mont-Royal. C'est pas juste une question de plomb dans les conduites de la ville, mais c'était dans les entrées de maisons. Il n'y en a plus à Ville-Mont-Royal. Mais si vous voulez faire vérifier l'eau chez vous, c'est en appelant un laboratoire. Ils vont venir ils prennent un échantillon d'eau et ils font un test. Donc, vous devez regarder. Je ne peux pas vous donner de nom de laboratoire. Okay. Comprenez que pourquoi je vous donnerais la compagnie A comparée à la compagnie B. Mais il y a des laboratoires qui viennent et qui peuvent faire prennent un échantillon d'eau. Et le délai pour obtenir les résultats n'est pas très long. OK. Je vous remercie de la réponse, mais en réalité, je me serais attendu à ce que la ville prenne une part de responsabilité, au moins dans la fourniture des bouteilles, puis amener ça quelque part. Parce que ça m'intéresse, moi, mais je suis certain que ça doit intéresser plusieurs citoyens. Mais on fait de l'échantillonnage de l'eau régulièrement. Dans toutes les semaines, il y a de l'échantillonnage qui se fait. Et en plus, annuellement, on en fait d'autres aussi. Donc, l'eau est échantillonnée régulièrement. Mais si vous avez un doute particulier pour chez vous, j'en sais rien. À ce moment-là, et c'est un test que vous voulez faire, c'est pas la ville qui fait l'échantillonnage d'eau, ce sont des laboratoires privés. Nous, on n'est pas équipés pour ça. Ouais, on ne prend pas l'échantillonnage. Pour nous, en réalité, c'est la Ville de Montréal qui le fait. Ce n'est même plus la ville. Okay. Ce n'est pas nous qui donnons. OK. Fait qu'en un mot, si je comprends bien, il faut que je m'en occupe moi-même. Oui. Mais vous devez contacter un laboratoire, oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Patricia Boileau. J'habite 200 Chemin Bay. C'est la première fois que j'assiste à un conseil. Je suis assez épatée par toutes les discussions et les débats. Bonsoir et bienvenue. Donc, déjà, les sujets ont été soulevés à propos du Royal Mount, mais ça s'applique de façon à une plus petite échelle dans notre quartier Chemin Bates et la Goutte d'eau. Cette semaine, on a coupé un arbre, un très grand arbre, sur un terrain en prévision d'une construction d'un autre tour à condo. La raison de ma venue, c'est qu'on est plusieurs à être frustrés. D'abord, c'est un choc émotionnel. C'est une perte de qualité visuelle, de paysage. Mais aussi, je sais que vous êtes allé dans cette rue il y a 2 ans, une de mes voisines vous avait invité, et vous avez pu constater l'allure de la rue, son aménagement urbain, très fin de chantier, malgré les nouvelles résidences et nouveaux condos chics. Je voulais savoir donc éventuellement ce soir si vous aviez l'idée d'un plan d'aménagement de cette rue. Vous parlez d'environnement végétal. Qu'est-ce qui se pose comme aménagement dans la rue? C'est une rue qui a été construite presque en surhauteur de notre FANU. La rue est étroite.
C'est des bâtiments de 7 étages, donc qui demandent à être encore plus aménagés et verdoisés. Donc, je voulais savoir si vous aviez des plans de prévus pour cette rue. Parce qu'à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus difficile. Il y a un chantier qui arrive. Et c'est très compliqué, certains jours de la semaine, de circuler dans cette rue. Oui. Et j'insiste encore, avant que vous répondiez, bien sûr, c'est que cet après-midi, donc moi, j'ai essayé d'aller au service des permis voir les plans. Déjà, pourquoi on a laissé cet arbre-là? Il est en fond de terrain, ça peut s'expliquer, il appartient au propriétaire. Il est en fond de terrain, mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Comment il était implanté? Puis là, j'ai réalisé que finalement, les plans d'aménagement, ça se partage entre les plans de voirie pour la voie publique, puis les plans d'architecture qui ne sont juste du zonage, c'est-à-dire un calcul d'étage et de densité. Est-ce qu'il y aurait moyen, Ville-Mont-Royal, qui est la cité-jardin exemplaire à Montréal, de perpétuer la tradition d'un plan d'aménagement qui contient et l'architecture et les services publics? C'est parce que, à l'heure actuelle, bon, je peux comprendre le problème de cette rue-là qui est divisée en 3 arrondissements. Donc, très certainement, il y aurait peut-être à voir avec les arrondissements aussi sur la continuité de cette rue. Mais il faut prévoir. Mon point, c'était aussi de prévoir le qualitatif résidentiel au lieu de vouloir foncer sur la construction comme on a fait à Griffintown. Puis il ne faut pas juste. Donc, les questions étaient un peu soulevées avant, mais l'échelle des projets ne sont pas les mêmes. Mais c'est sûr que faire des toits verts, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sol et qui font la qualité quotidienne d'une vie de quartier. Donc, voilà. Mais écoutez, vous vivez dans un quartier qui est en pleine transformation. Transformation qui a été commencée avant notre administration de ce changement-là. C'était un quartier semi-industriel qui maintenant est résidentiel. On s'est engagé il y a 2 ans à soumettre un plan de verdissement du quartier. Oui. Ce plan de verdissement-là, il y avait 2 aspects. Trouver une façon de mettre plus de verdure sur les rues, sur la rue Bates et la rue Eckers de l'autre côté. Oui. Ça, c'est une chose. Ce plan-là est en place, mais il n'a pas encore été, à cause des travaux qu'il y a partout, on n'a pas commencé à planter des arbres, mais le plan est là. L'autre chose, c'était la création d'un espace vert, d'un petit parc. C'est le 160 Bates. Le 160 Bates. On souhaitait réussir à l'exproprier assez rapidement et déjà l'été passé, on devait avoir ce parc-là. Malheureusement, il y a un problème devant les tribunaux. Le propriétaire conteste et là, c'est des temps fous devant les tribunaux. Mais on a bon espoir que pour l'été prochain, on va être en mesure d'inaugurer ce nouvel espace vert-là qui va servir à tout le monde. Je peux vous dire que je ne sais pas de quel côté de la rue vous habitez, mais ceux qui font dos à Eckers, il y a certains endroits où ils nous ont dit qu'ils souhaitaient avoir plus d'espace vert et on a transformé la ruelle en mettant du vert. Oui, ce qui est excellent, puis il faut continuer. Il faut continuer. Quand les gens nous le demandent, on est tout à fait ouvert à le faire ou à travailler avec eux pour que ça se réalise. Donc, il y a un souhait de voir ça plus vert, effectivement, mais c'est long. J'ai une autre question, mais là, ça touche à d'autres critères qui sont la rentabilité foncière et l'effet promoteur sur les terrains, mais ils sont construits bord à bord, les terrains. Le verdissement, il commence là. Ouais. Faire des marges de recul plus importantes, construire moins haut. Donc, là, on est parti. À l'heure actuelle, il y a des garages existants qui vont prendre du temps à être démolis parce que les propriétaires ne veulent pas vendre. C'est une chance, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en fin de chantier, même avec du résidentiel neuf. Donc ce plan, alors autre chose, parce que ça c'est apparemment c'est la communication, il y a peut-être un problème de communication, de diffusion, mais pour quelle raison on ne sait rien nous de ce qui se passe sur le quartier. Alors c'est sûr, il y a l'exercice de venir, c'est la première fois que je viens, donc puis c'est long comme pour vous, mais il faudrait penser à un système de diffusion d'informations comme l'arbre coupé. Je ne comprends pas que personne n'a été prévenu publiquement. Il y a juste le permis qui a été affiché. Il n'y a rien qui a été annoncé pour ça. Oui. Donc, effectivement, quels sont vos projets là-dessus? Vous soulevez un bon point. Ça vaudrait la peine d'aller rencontrer les résidents encore une fois dans ce quartier-là et d'avoir un document, un dépliant, n'importe quoi, pour expliquer les projets de la ville dans votre quartier. Et surtout, vous dire à qui vous adressez quand vous avez des questions. Moi, quand les gens m'écrivent, et il y en a souvent de la rue Bates,
je réponds à, je tente d'avoir les meilleures réponses et je réponds non, non, toujours. Je comprends, mais là, on est entre deux, c'est-à-dire qu'il y a encore de la concertation à faire. Oui. C'est évident, parce que vous allez planifier, mais les besoins changent dans la rue, il va y avoir une surcharge de circulation et de stationnement. C'est évident qu'il y a aussi de la consultation à faire avec les gens avant d'avoir le dépliant. Donc, je vous invite. Je suis prête à vous rencontrer. Si je travaille dans le domaine. Je suis prête à vous rencontrer. J'accepte l'invitation. Il faut vraiment travailler dessus. J'accepte l'invitation, mais si vous pouvez essayer de faire ça avec plusieurs de vos voisins ou des gens du quartier, ça me fera grand plaisir de me déplacer, que la conseillère de votre quartier vienne avec nous et puis qu'on puisse s'asseoir pour écouter ce que les gens ont à dire. On est là pour ça. Mais planifier aussi. C'est ça. D'accord. Bon. Alors, à la prochaine fois. Je suis facile à rejoindre. Merci. Merci. Alan Feldman, 2817, Boulevard Graham. J'ai deux petites questions et un petit commentaire. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont à l'étranger lors du référendum de 27, de, je pense, le 15 février? Bien, il va avoir le vote par procuration qui va être la semaine précédente. Donc, les gens vont avoir l'opportunité de voter à trois. Le vote par anticipation. À trois reprises, ben, deux reprises par anticipation et le jour du vote. Mais la question se pose, est-ce qu'un résident peut voter par procuration? C'est pas permis dans la loi. C'est pas permis. La loi ne le permet pas. Si on n'est pas ici, tant pis. C'est la loi. OK, deuxièmement, je suis pas contente avec la réponse, mais je l'accepte. OK, deuxièmement, moi, je travaille dans le secteur industriel à l'autre côté de Carrie et je passe par Côte-de-Liesse et je vois l'excavation avec un trou dans le territoire de Royal Mount. Oui. Qu'est-ce qui se produit là en ce moment? Ils sont en train de construire la phase 1 du projet Royal Mount, qui est ce qu'on a vu il y a quelques années annoncé partout. Donc, c'est ce qui est le mail commercial, les hôtels et les salles de spectacle. Alors, ça procède. Ça, ils sont en train de le construire. OK. Commentaire. Votre résolution ferme de procéder avec le référendum dans le délai requis est pour moi un confort. Bon, parfait. Merci. Est-ce que vous avez reçu mon courriel? Oui. Oui. Merci. Kathy Ely, 157 Cornwall and Mount Royal Municipal Association. First of all, now that we have a referendum in February, what will happen to the programs at the REC? Will they stay where they are until the end of June, or will they move where they were intended to go? Okezu. For now, nobody's moving before Christmas. Right. Things are staying as is. That was, yeah. And then we'll see what happens with the referendum and then when the move will take place. But in January, people will go to the REC for their courses? Yes. As if there was no project. Yes. Okay, so that was one. The second thing was that, as you know, but maybe some others don't know, I've been working for the indoor pool since 1995. So we're looking at 24 years. I can't even think right now. At any rate, it's been a long, long time. When the question came up about the letter that was in the paper from the Municipal Association, I really hope people read it. It was a really long letter. And because I've been there so long, I wrote a lot of the facts that people were asking about. And as I say, it was very long. But we're a committee, and the committee shortened it, which was a good thing, and change some things, and the letter was certainly not from the town. It was from the Municipal Association. We're a volunteer group of homeowners that nobody knows exist since 1932. You wonder why? I don't know why. It's apparently not very important. At any rate, we come to all the council meetings. I've been coming for 39 years, since 1990. At any rate, we follow the issues. We wrote the letter. It was ours. It was not from the town. There was, however, one error. It was not our estimate. It was correct in the French copy, the translation. It was not our estimate. It was one estimate I had read somewhere. But certainly, we don't have the funds or the ability to make estimates. Thank you very much. Thank you, Cathy. Bonsoir. Bonsoir, Romana. Bonsoir, Romana Roguszewska, 120 Balfour. As you are aware,
a resident filed a two-part complaint to the Élections Québec against part one. In part one, Maître Sedlacqui and Maître Daora. Part two, Mr. John Miller, alleging irregularities during the register. And apparently since then, Élections Québec has dismissed part one against Maître Sedlacqui and Maître Daora, while again, part two against Mr. Miller is still pending, meaning basically they haven't gotten around to it. So my question is, is there any, number one, any further on this? And number two, Mr. Miller or Maître Daora, Maître Sedlacqui, did anybody interview you about this? Did this resident interview you prior to charging at Élections Canada, which was basically hearsay otherwise? Well, my understanding is that they didn't have any communication from the DGAQ, all the three of them. And the resident in question, without mentioning names, did not, which we know who it is, did not address Mr. Miller with anything before charging. That should be normal procedure. Otherwise, it's just hearsay. It's the same thing, Maître Daora and me. Yeah, no, I don't know who started all that. Well, you can ask. Moi, j'ai reçu aucune communication du directeur des élections du Québec. J'étais pas présent sur les lieux. Voilà, mais il y a personne que vous avez compris. Ce sont des fausses représentations qui ont été alléguées. Ce sont des allégations. Oui, oui, des allégations. Mais voilà. Et ça a été jusque là. Oui. Et puis la personne en question, la résidente, elle vous a pas posé des questions avant d'approcher les élections. Personne ne m'a approché. Voilà. So basically, ma réponse va être claire. J'étais pas été sur les lieux. J'ai jamais influencé les vôtres. On connaît nos limites. On connaît très bien nos responsabilités. C'est ça ma réponse. Oui. Voilà. Il y a personne que vous avez parlé ni rien. And not you, Mr. Miller, either. No. So basically, it was based on hearsay up to now. Yeah. Okay. Thank you, Romana. Have a great evening. Three questions to REM. First of all, the first question. Can on REM. Just your Go name ahead. Again for the audio. Ryan Morton, 145 Graham. Thank you. Okay. REM, final plan, is it one or two stations? Is it Kenora and TMR? There's going to be two stations, one Kenora and one Morwan. Next. Something that I don't think they've taken into account is tunnel breakdown. We've seen tunnel breakdowns before. If they have a tunnel breakdown of over 24 hours of 500 trains, they're going to have more than a highway on Chantalon. And I'm at a loss to understand how they can use a single point of failure like that. Have a plan B. They don't have any plan B. Yeah, I know. You answered the question. Yeah. I can't believe that one. Last thing, half to Ava, half to you. Bioenergy, has there been any movement with that, especially with the email that was sent out about the Hydro-Québec being bankrupt as of 2026 in terms of power availability? Yeah. Well, council didn't have the time yet to address the situation, but we're really open to revisit the question of bioenergy. So we're not there yet, but we will. Because that article in TV Nouvelle was an eye-opener, saying that they don't have the capacity after 2026. Yeah. So we'll work with we'll ask questions to Hydro-Québec, and we'll have to take decision at the beginning of the year. They've stated it in black and white. Well, and I'm sure it's true, yeah. I'm just saying, so at this point then, the question is there any movement? So there is no movement not yet. At this time. No. Thank you. No movement. Brigitte Mac, 900 Marlboro. Madame Boileau a posé une question, puis c'est un commentaire que je fais de mois en mois et en mois, de mieux nous renseigner, de mieux informer les résidents. Puis, clairement, il y a beaucoup de résidents qui ne sont pas au courant de plein de choses, à différents aspects. Je vous demande de revisiter les outils. Vous avez certains outils qui sont bien, mais je pense que ça mérite d'être amélioré. Vous ne pourrez jamais voir rejoindre tout le monde, c'est sûr. Mais je vous demanderais, qu'est-ce que vous avez fait depuis pour mieux renseigner les résidents? Puis je vous avais invité à reconsidérer la fermeture que vous avez faite de tous ces comités que vous aviez à l'époque. Je pense que le dernier, ça a été un comité de l'environnement, puis ils se sont rencontrés deux fois dans l'année, puis c'est tout.
C'est une autre façon pour les résidents de s'impliquer puis d'avoir leur mot à dire, mais pas juste par... C'est pas un appel... J'appelle ça un appel d'offres, comme le comité du centre sportif, c'est un appel d'offres. Vous avez dit toi, 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 pas toi, toi, toi. Vous venez dans le groupe. Pour que les résidents soient mieux renseignés, qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous engagez à faire? Bien, on est ouvert aux suggestions. On a fait dans la dernière année ou dans les deux dernières années, on a créé le GoVilmo, qui est quand même un bon tout outil pour le domaine. Le côté négatif, c'est qu'on a de la difficulté à le faire connaître. Les gens, c'est long à ce qu'ils embarquent. On a à peu près 1 000-1 200 résidents qui sont abonnés. Ce n'est pas suffisant encore pour que ce soit top. Donc, le GoVilmo. Et en travaillant avec l'Association des parents de Mont-Royal, cet été, on a mis sur pied le newsletter. Mm-hmm. Alors maintenant, on a un newsletter à toutes les deux semaines qu'on essaye le plus possible de véhiculer au niveau des médias sociaux. Donc ça, c'est deux nouvelles étapes qu'on a fait. Est-ce que c'est parfait? Non, clairement. Clairement, ce n'est pas parfait. Donc, on va continuer à travailler pour améliorer les communications. OK. C'est une bonne initiative, puis on espère que ça va continuer. J'ai une autre question concernant, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a adressé le sujet du Royal Mount, puis on parlait de l'aspect résidentiel. C'est un aspect qui est aussi important pour le centre sportif qu'il n'y avait pas en 2016. On s'entend que le résident, en tout cas, nous, on n'était pas au courant qu'il y avait un aspect résidentiel. Est-ce que je me trompe? Vous avez dit tout à l'heure que le rapport est in process. C'est pas terminé, le rapport du côté résidentiel? L'étude est en cours. OK. Il me semble que dans le post, Claude Marcotte, en septembre, était cité à dire qu'il y avait un rapport qu'il avait vu sur l'aspect résidentiel avec vous. Alors, est-ce qu'il y a deux rapports? Je ne comprends pas. Non, Claude Marcotte, il peut dire ce qu'il veut, là. Évidemment, le promoteur nous a soumis énormément d'informations et de documents lorsqu'il a fait sa demande. Nous, depuis ce temps-là, on a mandaté des consultants externes et on va avoir nos propres rapports. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Mais quel est ce rapport que Claude Marcotte a vu? Je ne sais pas. Ici, à l'Hôtel de Ville? Vous n'étiez pas là? Bien, j'étais sûrement là, mais je ne sais pas à quel rapport il fait allusion dans l'article. Pour le volet résidentiel. Ouais. Puis quand est-ce que vous pensez vous positionner? Je sais qu'il y a beaucoup d'inconnus, là, mais vous positionner là-dessus parce que, d'après moi, ça va impacter le centre sportif directement. S'il y a 5, 7 000 portes de plus, ça veut dire 10, 15, 20 000 personnes de plus qui vont venir se servir du centre sportif. Il n'est pas construit puis il est trop petit. Bien, pour répondre à la première question, il faudra prendre la décision d'ici l'été, ça c'est sûr. Ce qu'on comprend de Carbone Néo, c'est qu'un, dans un premier temps, d'ici 2022, 2023, ils vont créer leur phase 1, le mail, tout ce qui vient avec. Et ensuite, il parle d'une phase 2 qui pourrait s'étendre sur les 10 années suivantes. Donc, avant qu'il commence à avoir des résidents là, on est peut-être dans 10 ans d'ici. Donc, c'est sûr que ça va falloir le prendre en compte si jamais on va de l'avant, mais ce n'est pas demain qu'il va y avoir des gens qui vont arriver de l'autre côté, du côté oui, ouest mais, chez nous. Mais je comprends, mais dans 10 ans, le centre sportif va être fini, ça c'est clair, puis on va s'en servir, puis s'il y a un problème... Pourriez-vous nous renseigner, je vous avais demandé aussi, sur le REM, le Royal Mount, le centre sportif, de façon, vous engagez à le faire de façon mensuelle. Je vous l'avais demandé, je vous l'ai redemandé, votre réponse m'avait déçue. Mon but n'est pas de le répéter, mais il me semble qu'on mérite d'être, tu sais, un petit wrap-up. Prenez 10 minutes au début de chaque conseil pour dire, ben voici, ou dans les bulletins de nouvelles, ou... que les résidents puissent être informés. Oui. OK, merci. Merci. Good evening. My name is Irina Stefanescu. I live on Wicksteed. I have two questions. So actually, I'd like to start by congratulating the town on the speed that you reacted to the first snowstorm we had this year. However, last year, it was really bad. So especially on our street, it was impossible to walk on the sideways for 3 months. Not for 1 week, for 3 months. Yeah. And that was because the town was not able to react properly the first day when it rained and then we had ice and so on. And that was it. From there on, nothing you could have done. So I'm wondering, do you have any plans this year to make sure that we try to avoid this? I understand there's risks. The weather will be worse. It won't be better.
Yeah, well, so what do we do? My understanding is that we've learned from last year. Mm-hmm. Last year was really, really bad. Mm-hmm. Not much with the snow, but as you say, no, rain and ice everywhere. So we've bought new equipment and we have to get better because it's a new reality. Yeah, so if you have to, because I know I called and many people called and I was told, well, we don't have enough contractors, and if we have to bring more, then your taxes will go up. No, and I don't well buy this because we have enough money in the town. And it's not something, it's our own blue collar who do the work. Okay. And they, when they need more equipment, they're going to get it. So I trust you that this will be taken care of. Hopefully it's going to be better this year. Well, the weather will be worse for sure, but okay. And the other issue that I'd like to bring up is, I know it's not the time now because it's not summer anymore, but you are aware probably that we have a serious poison ivy problem in the town? No. Okay, you're not? Well, the person on the green line, I think it's Mrs. Lopez. She's a very nice person, but she's aware. I had the problem. I didn't know about it. I had no idea what it looked like. I touched it. I pulled it, and I had like a horrible allergy. And I started looking for it, and I found it all over the place in the town. Wow! It's all over the place down in the next to the railway, and I called the Green Line, and the lady told me that she cannot do any. I mean, the town cannot do anything because it doesn't belong to the town. Yeah. But we have to do something about it. We have to put some signs. I haven't seen any article in the newspaper. I haven't seen any notification. Nobody on my street has any idea what it looks like and what it can do. And it is really, really dangerous. It can be lethal. It is dangerous. And it's the first time I hear about this. And I'll ask the town to do a follow-up. Yeah. And if we have to do a kind of a communication plan for spring to do Please something do, about and it. And can yeah we talk to the people that like that own the... it's the Caisse de Dépôt. So we'll talk to them. I don't know how we can, you know, sensitize them because I intervened and there was a mother with a baby looking at the plants there on the train station. You know, the baby was almost touching poison ivy. Yeah. Now I have a phone app and I know what it looks like, but they don't. You'll have to show us because I have no idea what it looked like. Yeah, that's the thing. There's phone apps that help okay you, but anyway, the lady knows, Madame Lopez knows. Okay, and we'll do a follow-up with this. And she told me that there's a lot of it under the cedars, especially in the places where there are swimming pools. Okay. So well noted. Keep an eye open. Thank you. Hi, Gary Taba, 589 Graham. Good evening. Good evening. My first time doing this, and I want to thank you all for taking the time to listen to us. It's been a long evening. So I'm here to ask for some help on two particular issues. Poison ivy? No. No, okay. I just thought that. So three, actually. The first one is, as we talked about earlier, the bridge is being blocked, and traffic patterns are off whack, and we have winter and all these things to contend with. Just a thought. Would it not be possible to have somebody directing traffic in the center? Because, you know, you got people who are doubling up, and then they decide at the light that they're going to cut in, and you don't want to not oblige them, but you're also in emergency mode. So what's compounding the frustration is that everybody is struggling at this intersection. Now, if we're going to live with that trailer on the bridge, maybe what we should say is, okay, we know that this problem is here. It's gonna be here for a while. But what we're going to do is we're going to put someone there because there's nobody going this way. And we're going to say, okay, guys, go on the bridge because there's no one there. But we have to wait 2 minutes, 3 minutes. You raise a good point. It's the gentleman's point over here, by the way, which we share. So at one time we had people, I know, yeah, and it stopped and we felt that it was getting better now, but I think it's something we need to look into it. I mean, it's gonna end up in road rage with the snow blocking the lanes and everybody. Yeah. Yeah. About the kids at St. John, that's what I worry about, because I go there every right morning, and it was 20 minutes to go to work. Yeah, okay. So something will happen. It's bound to. We'll do a follow-up on this. Thank you. The second point I have is apparently there's been a long, lifelong parking bylaw in TMR of 4 hours.
I've been living in TMR since the age of 13. I was always under the understanding that the 4 hour was in parts like near the train, near the tracks, in certain areas, but apparently it's everywhere. Yeah, it is. Now, I'm not sure. The overnight parking I get, I think everybody can relate to that. But when you live in a circumstance as myself where there's multiple tenants and different driving schedules and the parking lot is single, we're not all coordinating with each other. For I just got my, I think, 17th ticket. 17. Now, two tickets I got with, I have a number which I called in, and because they made a mistake, I have to go to court and get it revoked. Now, we all know the magic number. Nobody wants to go to court and spend the time. They're going to pay the $50. So I figured, you know, after I paid maybe for the new rec center, it's about time that maybe we look at this and say it's not working. So maybe we can keep the 4 hour in the evening and 4 hour in restricted areas where it's high density traffic. But in front of my house, just when I was getting the ticket today, as a matter of fact, which was the turning point, because I came to see the town earlier, and they said, listen, you're stuck with it. It's 28 years. It's going to stay. I don't believe everything has a permanence in life. Changes go according to progress and so forth. It's an outdated law, in my opinion. However, I asked him if I had people over at my house at 5 o'clock at night and they were staying more than 4 hours, do I have to get them all to move their cars? And he says, well, if we mark the tires, yes. He says, but you can call the town. I said, listen, give me any residential area in the world that somebody has to call their governing body. First of all, if you ever call the town, I spend 45 minutes. I didn't have the beard when I called them. 45 minutes of listening to that music to get to somebody. And I wish if it was at least top hits. So I'm saying I don't understand why we have to get agitated with everything that we contend with in life. Day to day, the struggles, the snow, though. I understand the town wrestles with many things, and I heard most of them tonight, and I feel for you, but I want somebody to feel for me and those people that keep repeatedly getting tickets. Now, I asked at least, and I would invite them in the room if you were willing to 100 people, how many of you knew that you would have to call the town if you're entertaining somebody on this to advise them that you're going to be more than 4 hours? Nobody knew it. Now, for those people that have the convenience of a beautiful driveway, circular and long, and it accommodates all, they don't even know it exists. Therefore, you're not hearing this often. But he's telling me that he does Dunray Gardens, and then he does the rounds. I'm being targeted. Now, from what I understand, little of the law, I watch Law and Order and some of those type of shows, a law has to apply to everybody. So if you look at the precedents of the court of the records of TMR, I would be curious to see if everybody is getting the same, where it's always the same zones, the same areas that are being targeted. So there's a discrimination. I'm being punished because I have a singular driveway that cannot accommodate the hours and the scale. So I'm asking you, is there something that can be done? Now, do I need to raise awareness? Do I need to bring a petition? What would it take to move the TMR to say, let's feel more like a community? Why should I have to be sitting in my backyard and worry that it's 4 hours and my car's got to move? It doesn't make sense. And the only reason you're not hearing more about it is because people have the benefit of something I don't have. On which street do you live? On Graham. Graham, okay. Where? Yeah. Which part? What's the exact On the other side, 589. Okay. Well, the answer is I don't know. But we could meet and talk about it, and you could listen to our side of the story and try to see what could be done. That's the best offer I've had, because I was told it's going to stand and there's nothing that could be done. Now, if there's an open scenario, there's many ways to go about something. I'm not looking at it just from my point of view. I don't promise anything, but I'm still not suggesting you promise, but the fact that we can have a conversation, sure, is the beginning of something. Yeah. Well, it makes me feel part of my community, and as our leader of our community, it means you're willing to listen and try and help me improve my quality of life. That's why I'm there, but just call at my office, okay, and let's try to find a moment to sit down. That sounds great. I thank you. Thank you for your time. Thank you, all of you. Thank you. Claude Demers, Saint-Francis, Dawson. 13 novembre, dans la presse,
Passage pour piétons, on doit développer une obsession pour la sécurité. Ce soir, aux nouvelles de 6 heures à Radio-Canada, ils ont ouvert les nouvelles avec Mme Plante qui dit « Un plan pour mieux protéger les piétons ». So far, 19 piétons à Montréal sont morts, 15 sur 19 avaient 65 ans et plus. Vous avez tous participé, vous étiez tous pour la construction de la résidence pour personnes âgées qui a amené à Ville-Mont-Royal d'autres personnes âgées. Et vous étiez tous contre le plan que j'ai soumis pour améliorer la situation. Alors, suite à un accident impliquant une femme de 86 ans que j'ai vue moi-même, là, j'ai décidé d'écrire un plan que je vous ai tout soumis. Malheureusement, il a été refusé. C'est un plan facile qui va garantir 100% plus de sécurité aux citoyens et citoyennes. Ma question et votre réponse à vous tous, mais c'est vous qui me l'avez envoyé. Vous m'avez dit, seulement, je ne crois pas que cela justifie la production d'un plan détaillé. Ma question, avez-vous l'intention de changer d'idée et de faire un plan qui va mieux protéger les citoyens? Écoutez, la sécurité des gens, là, que ce soit les piétons, les enfants ou les personnes retraitées âgées, c'est une priorité pour tout le monde. On ne commencera pas à dire qu'il y a des administrations qui aiment plus les vieux et des administrations qui aiment plus les jeunes. C'est une priorité pour nous. Nous, l'impression qu'on a, c'est que ce qu'on a mis en place, ça garantit une quelconque sécurité. Non. Est-ce que ça règle tout? Non, parce qu'il y a encore des gens qui conduisent, par exemple, autour du parc Connaught à 60 km/h, alors que c'est une zone de... C'est pas de ça que je parle, là. Ben, je parle de l'accident qui a eu lieu, la femme qui est tombée parce qu'il y avait un tas de briques, puis en face du restaurant Mikado, j'ai donné une photo, ouais. Il y avait encore un tas de briques. Moi, ce que je propose, c'est le même principe que la sécurité publique fait avec les enfants dans les écoles. C'est qu'à tous les jours, lors de la fermeture des chantiers sur le domaine public, les agents de sécurité publique vont voir si c'est sécurisé. C'est tout. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. C'est sécurisé à 100% parce qu'il y a eu un accident. La femme de 86 ans, c'est pas drôle, là. Puis il va en avoir d'autres, mais tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer que le chantier va être sécurisé. C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème, puis effectivement... Allez-vous le faire? C'est de la responsabilité de chacun des responsables de chantier de s'assurer... Non, il ne faut pas faire ça. Mais ce que vous voulez, c'est que sur tous les chantiers, à 5 heures, il y a un gars de sécurité qui vienne voir si tout est beau. C'est ça. On ne peut pas s'engager à ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait tripler le nombre d'agents qu'on a. Ils sont occupés. Ils font combien qu'il y a de chantiers sur le domaine public? Il y en a beaucoup. Combien? Je ne sais pas. Il n'y en a pas 100, là. Moi, je marche beaucoup. Il y en a plus que 40. 40 chantiers? Des maisons en rénovation. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle sur le domaine public, comme en face du Mikado, comme au parc Connaught, la femme qui est tombée. Des chantiers qui relèvent de la ville. Oui. Combien il y en a? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je marche dans Ville-Mont-Royal. Il n'y en a pas. Ça, vous avez raison. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors... Ça devrait être ultra sécurisé. La sécurité publique reçoit une feuille, 22-40 grammes, 4h30. Là, il y a quelqu'un qui va voir à 4h30 si c'est sécurisé. C'est tout. C'est-tu faisable? Suite à votre intervention la dernière fois, j'ai parlé avec la sécurité publique. Ils vont être plus vigilants. La sécurité publique ne peut pas prendre en charge le chantier d'un entrepreneur. Ce n'est pas lui qui est le maître d'œuvre. Ce n'est pas la sécurité publique qui est en charge du contrat ou de ce chantier. Donc, quand il y a un problème après, c'est l'entrepreneur, c'est lui qui est en charge. Donc, la sécurité publique a été sensibilisée, ils regardent, ils sont plus vigilants. Et vous m'avez même envoyé un courriel pour dire qu'à Mikado, ça a été réglé. Donc, vous avez vu qu'on a agi. Très vite. Bon. Félicitations. Donc, on a agi, on prend des actions, mais la sécurité publique ne peut pas être en charge de tous les chantiers. Mais ils regardent, ils font de leur mieux, ainsi que les travaux publics, ou quelqu'un, quand il passe et on voit un chantier chez quelqu'un, qui n'est pas sécurisé, qui a une clôture autour d'une piscine qui est laissée ouverte ou quoi que ce soit,
oui, on prend des actions, mais on ne peut pas être puis en les écoles, charge. Les écoles, c'est la sécurité publique qui s'en occupe des écoles. On est très présent autour des écoles. Oh, oui, vous êtes présent, mais c'est ce qu'il faut faire. Eux autres, là, à chaque jour, à 3h30, le camion il est là avec les flasheurs, c'est impossible de passer. Il faut faire la même chose pour les chantiers, mais bon, vous dites que c'est impossible. On vous entend, mais à 3h30, on a 7 écoles qui ferment en même temps. Oui, mais les chantiers ne ferment pas à 3h30. Non, non, mais ce que vous me dites, c'est que où vous pensez que nos agents de sécurité sont à 3h30, ils sont autour des écoles. Okay. Même chose le matin. Oui, mais quand c'est fini, quand il revient, il peut passer sur une rue. Oui, mais il ne peut pas être en charge de tous les chantiers. OK, j'aurais essayé, là. Bien, puis vous voyez, on a fait un suivi aussi à ce que vous avez dit. L'échange de correspondance, là, on n'a pas... Moi, je n'ai pas à critiquer l'échange de correspondance entre moi et vous, là. Non, non, mais ce que je veux dire, Mme Carl, je viens de vous dire, d'ailleurs, que depuis votre courriel, ils ont demandé à la sécurité publique de faire preuve de plus de présence dans ces chantiers-là. C'était mais on ne peut pas être présent partout. OK. Ce n'était pas un échange de correspondance, c'était une action qu'on a prise. Oui, mais moi, j'ai fait un échange de correspondance avec vous, j'ai expliqué le plan et tout, vous m'avez répondu, c'est extraordinaire, là. Vous communiquez, quand on vous pose une question, on a une réponse. Merci. Merci. Dernière question. I promise to be very focused. Cecilia McDonald again, 1725 Kenora. Just gathering information, can you confirm that all the municipalities that were along the REM line were required to sign a confidentiality agreement, and if that is the case, what does that cover? Why would they ask the towns to sign a confidentiality agreement? Well, the first answer is yes. Okay. We had to. We had no choice. Right. You know, they want to use the REM project to sell it elsewhere in the world. So it's like a commercial company? It's a commercial product, and okay. They don't want to see the numbers going out. So it's not, like, limiting us from asking questions. It's simply, like, proprietary. Yes. Okay, thanks. The next one is directly to the REM. And I want to preface this by saying, first of all, thank you for your patience. I realize that we're talking about these heated things, but I also realize that you guys take care of a lot of things in the town that we don't see, and we really do appreciate. We don't thank you, and I know it's exhausting, so I just want to stop and say thank you for those things. To the REM. We're all very concerned about the 550 trains. And in the research I've done, it says that ridership is not going to increase, but the train volume is. And I wondered if you knew about what the rationale was and whether we can still influence that at all. Like, why do we need ghost trains between, you know, 3 and 5 in the morning? Have we a point of influence there? Well, the only answer, I think, would be that the fact that the airport is open. So when the airport is open, they need those shuttles to go from the airport to downtown. I don't think it's open at those hours, but is there anyone that we can still try to have conversations or advance? Sure, but, well, you have comité de voisinage, de bon voisinage, yeah. With the people from the REM, and yeah, you, okay. I know that there's a website. I was thinking, okay, that's fine. And the last question is, I really want to do due diligence because I don't want to keep asking you about, you guys have been, you know, you have put things forward for us to understand the support center. But I haven't been able to find anything since 2016. So when it went from 33 to 48, there was probably another announcement that I just can't find. Where do I look for that? We're going to meet soon, right? We need to reschedule. I will definitely bring you some information, but there's But was there, there was a public thing that, right, that's probably we online have, we somewhere? We have things on the website. We're going to rework okay, our super. Website in the next following weeks. Okay, that's more fine. More information to come, okay. For sure. And then my last comment is, really to the degree that we can help you, if since we have this accelerated referendum, if we could try to look into using more modern communication tools, you could do online Zoom meetings, you could get people that are away to have remote access so that you could get the fullest participation and you could convey your information. So I would just ask that you might consider this. You work in communication? Yeah. So if you want to help us, we'll be really happy to have you in the team. Yeah. to the degree that I can help, I am very... open to helping because I think it's important. Thank you. Thank you all. Good night. Thank you. Madame Nitzi. Je propose de lever de la séance. Michel va appuyer. J'appuie. Merci, je demande le vote. Merci. Bonne soirée, tout le monde.